Salut à tous, bienvenue dans la tribune parallèle, dans la petite tribune, dans votre émission où on peut débattre et débriefer de ce qui se passe sur le grand plateau de Benjamin Deceuninck pour une émission qui, je pense, devrait être animée vu l'actualité du week-end et la victoire du Standard, notamment dans le Classico face au Sporting d'Anderlecht. Vous êtes déjà beaucoup à nous avoir rejoints. Déjà un grand merci. J'en profite pour présenter aussi notre invité de ce soir. Il s'agit de Vincent Lingendries. Salut Vincent. Ah, salut Lancelot, bonsoir à tous. Vincent, j'imagine que comme tout le monde, tu l'as vu, ce Classico. C'est quoi ça, Classico? Classico, c'est un match. Ah oui, un grand match. Ouais, un grand match, c'est vrai. Grand match, vraiment? Bah, grand, oui, par son intensité, ce qui s'est passé, le scénario, c'est clair que le Classico, on en a vécu des pires, quoi, on va dire. Hein. Oui, bah c'est vrai qu'on se rappelle de Classico où on n'avait rien à retirer à la fin du match. Ici, je pense qu'on a de quoi en parler à la machine à café pour quelques petites semaines. Je vois déjà qu'il y a certains noms qui reviennent, notamment Jonathan Lardot avec des décisions qui ont été commentées de la part de l'arbitre. On y reviendra. Alexandre Boucaud est là aussi en plateau avec Benjamin Deceuninck et tous ses invités. Donc, on aura l'œil de Boucaud, le Boucaud d'enfer, comme on le sait. Et je pense que ce sera assez éclairant aussi par rapport à certaines phases de ce Classico qui font déjà parler. Bon, ça fait partie de l'histoire de ces matchs. J'ai l'impression que c'est indissociable de ce genre de match d'avoir des discussions arbitrales qui s'éternisent un petit peu. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des choses. On va voir des choses dans l'émission tout à l'heure avec Alexandre Boucaud. On ne va pas trop déflorer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des faits d'arbitrage. Beaucoup parlent de la main ou pas main de Léonie sur le 0-3 ouais. Qui est finalement annulé. Passé à la trappe. Donc oui, il y a énormément de choses, comme toujours d'ailleurs dans un match avec autant d'intensité, dans un match très attendu par les supporters des deux camps. Je vois déjà, il y a non seulement la main de Léonie qui a été sifflée, alors on parle de l'autre côté Anderlechtois, d'une éventuelle main d'Alzate sur le 1-2. Alors on a trouvé absolument aucune image qui nous permettait d'être sûr de ça. Sur le but de N'Goy, on a aussi des images où là, on est quand même, on sait moins être formel, on va dire ça. Marcher sur des œufs, là. Sans les images, c'est difficile, mais on les verra tout à l'heure dans l'émission. Et c'est clair qu'il y a notamment un débat sur pas mal de fautes de main dans ce Classico, et on tâchera de faire le point en toute objectivité, bien sûr, là-dessus avec Benjamin et Alexandre Boucaud tout à l'heure. Je n'ai déjà plus l'occasion de tous vous saluer parce que vous êtes trop sur le chat. Déjà beaucoup à nous envoyer des questions. Donc forcément, moi, je vais trier le bon grain de livret, hein, comme on dirait en vieux français, avec les commentaires constructifs qui seront évidemment valorisés, dont on discutera. Alors, si c'est juste pour vous empoigner, faites ça ailleurs, parce qu'ici, ça ne sert à rien. Nous, on va essayer d'élever le débat ailleurs par rapport à ce qui s'est passé hier. On sait qu'il y a aussi eu des débordements après le match. Nous, on va essayer de parler de foot et pas que d'arbitrage, parce que du foot, il y en a eu, et il y a eu des chouettes séquences dans les deux mi-temps, en fait, point de vue purement footballistique. Oui, on s'est vraiment pas ennuyé dans ce Classico. Hein. Je répète que je me souviens de Classico 0-0, de Classico 0 sur toute la ligne, ou de Classico avec beaucoup d'incidents dans le stade. Bon, il y en a eu, vous l'avez dit, à l'extérieur du stade à la fin. Bon, notre rôle est de les relater et pas nécessairement de les commenter ou de dire qui a raison, qui a tort là-dedans, parce que de toute façon, la seule chose qu'on veut éviter, c'est ce genre d'images, ce genre d'incidents. On n'a pas besoin de ça, sincèrement, en ce moment, avec ce qui s'est passé, faut-il vous le rappeler, lundi dernier. Et on n'oublie pas non plus, parce que oui, on a des supporters du Standard et d'Anderlecht qui sont là pour nous parler de ce qui s'est passé hier, mais que samedi, on a eu un vrai grand match aussi du Sporting de Charleroi face à l'Antwerp, avec une deuxième mi-temps de folie, je pense que c'est toi qui le commentais d'ailleurs. Exact, ouais. Là aussi, on a pris notre pied d'une certaine manière, c'est une rencontre qui est vraiment partie dans tous les sens aussi. Ouais, franchement, la deuxième mi-temps de Charleroi-Antwerp, je la conseille à tout le monde, parce que c'est bon, il y a le scénario aussi, Charleroi qui mène, l'Antwerp qui revient, Charleroi qui reprend l'avance, l'Antwerp qui revient, deux pénaltys, des discussions, une ambiance du tonnerre. Celle de Sclessin était magnifique hier, mais celle de Charleroi était pas mal non plus. Hein, franchement, samedi, les supporters carolo n'ont pas arrêté pendant toute la rencontre. Et je pense qu'ils ont gagné vraiment à 12, les carolo face à l'Antwerp. Les Anversois étaient les premiers à le reconnaître, d'ailleurs, que l'ambiance avait été costaude. Et ils savent de quoi ils parlent en matière d'ambiance aussi, les Anversois. Et on rappelle que ça avait déjà été le cas contre le RWDM avant la trêve internationale, où
là aussi, le public avait répondu présent alors que le contexte était difficile. On sent que cette équipe soutient quand même Felice Mazou et son équipe. Et là aussi, avec un 6 sur 6, on a des perspectives complètement différentes. C'est ça qui fait que ce début de championnat est dingue. C'est qu'en deux ou trois bons résultats, on peut passer des play-downs pratiquement au Champions Playoff théorique. Je me mets les lunettes pour voir le classement. Ils sont 9e, Charleroi. Ouais. Ils sont 9e, donc avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, ouais. Ça a complètement relancé. Bon, j'ai envie de dire que le championnat pour Charleroi vient de débuter. Bon, ils ont pris un peu de retard à l'allumage, mais le championnat des hommes de Felice Mazou, que par ailleurs, j'ai quand même rarement vu aussi stressé à la fin de la rencontre. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Je vous les conseille, notamment hier dans le 100% sport, on a concocté un petit résumé du match avec, et ça commence par les images de Felice, mais qui était, comme tout le stade d'ailleurs, sur des charbons ardents. Là, il a été exclu, hein, on le rappelle par l'arbitre. Hein. Des questions déjà par rapport au fait qu'on se pose la question ici. Est-ce que c'était normal de l'avoir juste à côté de son banc alors qu'il était exclu? Il était pratiquement, ça ne changeait rien pour lui d'être derrière la barrière. Plutôt qu'à des devants, ça ne changeait rien du tout. C'est la configuration du stade qui le permet à Charleroi. Donc, pour ceux qui connaissent le banc, juste derrière le banc, il y a tout de suite des spectateurs. Il y a un grillage et il y a un écart entre le grillage et le banc qui a permis à Felice Mazou de se retrouver à 50 cm de sa place habituelle, en fait. Donc, ça n'a absolument rien changé. J'ajoute que pour Van Bommel, qui a été exclu lui aussi, il aurait pu faire la même chose et se retrouver à côté de son banc après son exclusion. Mais là, il se serait trouvé au milieu des supporters de Charleroi. Donc Van Bommel, lui, est sagement resté ou est allé plus haut dans la tribune. Ça, j'ai pas vu exactement ce qu'il a fait. Il est rentré par les vestiaires. Oui, il est retourné au vestiaire, Van Bommel. Mais oui, ces images de Mazou juste à côté du banc, c'était assez hallucinant. Bon, allez, on va aller voir ce que Benja a à nous raconter parce qu'il va venir nous dire bonjour. Philippe Albert. Bonsoir. Swan Borsellino. Bonsoir, déjà. Et Cécile de Gernier. D'accord. Tout le monde va bien. Tant mieux. Lancelot est là aussi. Oui, nous on est là, bien sûr qu'on est là. Là, le chat est en train d'exploser, Benja de Seninck. Donc on va devoir gérer un petit peu tout ça. Je vous avoue que j'ai pas vraiment le temps de lire tout ce qui se passe ici. Enfin bon, si vous n'êtes pas encore branché, rejoignez-nous. On va trier ce qu'il y a de bon à débattre, bien sûr, ici, puisque ça s'empoigne déjà sur le sujet du week-end, la victoire de HL contre Saint-Trond. Eh bien non, pas du tout. Pour la victoire du Standard contre le Sporting d'Anderlecht. Je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Vincent Langendries. On a du boulot, je pense. Ce soir, Vincent. Oui, je sais pas trop de quoi on va parler, en fait. D'accord. Bon, on va quand même vous le dire. On va parler de cet Anderlecht Standard. On va aussi préfacer un petit peu le dossier de Vincent qui viendra vous présenter plus tard dans l'émission. Donc, si vous voulez nous rejoindre, rtbf.be/sport, la page Facebook, vous nous rejoignez, la page YouTube aussi, vous nous rejoignez, vous participez au débat avec nous. Oui, merci, Lancelot. Je reste avec vous parce que vous avez votre chiffre du week-end qui concerne le RWDM. C'est intéressant. Exactement. Le RWDM qui, vous le savez, a concédé encore un but en fin de match. Et vous allez le voir, les chiffres sont quand même assez inquiétants en ce qui concerne la gestion des émotions du côté du RWDM. 4 buts concédés après la 90e minute, ce qui fait 6 points perdus dans le temps additionnel pour le RWDM. C'est évidemment terrible pour les hommes de Claudio Cassapa. Mais alors regardez le classement si on ne compte pas les buts inscrits après la 90e minute. Donc les buts inscrits entre la première et la 90e, la 89e minute tout pile, le RWDM serait 4e au classement derrière l'Union, Anderlecht et la Gantoise. C'est incroyable et ça montre une chose, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour Claudio Cassapa pour que ses joueurs parviennent à gérer véritablement ces moments qui sont importants dans un match. Oui, c'est exactement l'inverse à Charleroi, effectivement, comme me le glisse l'éditeur du jour, Frank Peterken, qu'on embrasse aussi. Les fins de match, elles deviennent de plus en plus longues, les fins de match avec le temps additionnel qui est presque doublé par rapport à l'année passée. Oui, entre 5 et 12 minutes. Ça dépend. Enfin, ça fait des matchs très très longs et la concentration doit rester. Donc pour vous, c'est plus mental que physique. Oui. Ouais, je rejoins Marc à ce niveau-là parce que physiquement, s'ils sont fatigués maintenant. Qu'est-ce que ce sera dans 4 mois? Ok. Il plante le décor. Hein. Philippe, premier tacle, dès la première minute de jeu. Oui, il y a aussi une manière de gérer les matchs au-delà de l'émotion. Je pense notamment au match de ce week-end, où l'équipe en fin de match a été quand même fortement coupée en deux.
où, à mon avis, ils hésitaient aussi entre mettre le deuxième et garder le 1-0. Et je pense que c'est une équipe qui, on l'a vu en début d'année, était en difficulté défensivement et c'est peut-être plus capable. Elle est jouette ou elle est joueuse, hein, elle aime bien jouer. Et encore plus avec voilà, l'arrivée de joueurs comme le Jeffrey Nadelaïde. Donc voilà, après, on l'a eu sur le plateau le week-end où il avait été absolument héroïque de Fourni. Là, je pense qu'il doit la sortir, celle-là, ouais. Quand même. Effectivement. C'est vrai que c'est si la force de dire que le RVDM n'aura pas de problème cette saison, faudrait pas quand même qu'il glisse au classement dangereusement parce que ça se resserre très fort. Oui, alors après, on savait aussi que le RVDM n'avait pas un bon extensible. Et ici, avec quelques blessures ou en tout cas. Une blessure comme Biron, par exemple, qui était quand même indispensable à ce début d'année, même si, OK, Jeffrey Nadelaïde prend de plus en plus de place, mais je trouve que ça ne compense pas encore tout à fait ce que Biron et la complémentarité qu'ils avaient trouvée en fait, avec Gay. Donc, voilà, je pense que attention aussi à la gestion des blessures, ouais, de leur banc, quoi, parce que ça ne va pas être... C'est pas comme toutes les autres équipes non plus. Ne pas déforcer l'équipe au mois de décembre, on en va chercher des joueurs à Lyon. Il est en forme pour la journée. Lyon, avec le même battu, battu par Clermont. Qui est dernier de la Ligue 1. Battu par Clermont hier. C'est vraiment ahurissant. Preuve que parfois, ces multipropriétés posent parfois des problèmes. On va voir sur le long terme, évidemment. Tout cela, vous avez bossé, je le rappelle, comme tous les lundis, pour nous proposer votre top 3 du week-end. Les voici même, avec, comme souvent, de l'Union et du El Canous aussi, qui a été brillant avec Genk Ilamaritra pour Cécile. Et tiens, Swan, un joueur du cercle à la Gobo, un petit mot là-dessus. Ouais. C'était un bon joueur que j'avais connu en France, mais qui avait eu du mal à percer. Il est allé aux Pays-Bas dans la foulée. Et je trouve que dans cette équipe du cercle, il fait partie des très bons éléments qui rendent cette équipe brugeoise intéressante. Et vu que je me suis coltiné quasiment tous les matchs du week-end. Coltiné ? Ça fait partie de mon travail. J'avoue que ce week-end, j'ai battu un record quand même. J'ai passé beaucoup trop d'heures devant le football. Ben c'est bien, d'autant plus pertinent, encore plus que... Espérons. Et Nilsson, j'ai mis 3 points parce que j'ai vu qu'il avait été aussi... il a eu un vote pour Cécile, je pense. Oui. Parce qu'après ce qu'ils ont vécu, franchement, s'aligner... Et performer comme il l'a fait, chapeau. Effectivement, et voici donc le classement du jour et puis le classement général depuis le début de l'année 2023. C'est bien Nilsson qui remporte avec Alzate le milieu de terrain colombien. C'est plus qu'une mascotte, mais effectivement, il y a un standard avec et un standard sans Alzate. Au classement général, c'est vrai que ça ne bouge pas parce qu'ils avaient tellement d'avance, mais ils sont un peu en train de tirer la langue, là, les deux attaquants de la Gantoise. Thomas, lui, est parti, mais il est toujours sur le podium. Votre gardien du week-end, les votes, les voici. Un gardien par consultant. 3 fois Vandenberg de Courtrai et une fois Warlson, Cécile. Parce qu'il a fait le même genre de parade que Vandenberg, sauf qu'il a fait un assist en plus. Ok, ah bah oui. Et donc je me suis dit, allez. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, vous qui avez voté pour Vandenberg? Est-ce qu'elle n'a pas raison finalement? Rien, c'est un choix. Cécile a toujours raison. Vous changeriez l'avis par rapport à ce qu'elle a dit? Non. Ok, on va revoir d'ailleurs tout à l'heure les arrêts de Vandenberg qui causent du souci au club de Bruges. L'entraîneur du week-end, le voici dans les votes de nos 4 consultants. 2 fois Oufkens, une fois Mazou, une fois Muslic, l'entraîneur du cercle justement. C'est vrai, un Bruges dans le top 6 pour l'instant, c'est le cercle et pas le club. Et tiens donc, c'est dingue ça. Karl Oufkens, pour qui vous n'avez pas voté, Marc, mais... Voilà, je me tourne vers vous parce que vous avez été entraîneur. La vie d'entraîneur, c'est fou. Il y a quelques semaines, on se disait, Oufkens, il va falloir commencer à faire des résultats. Et le voici en tête de notre classement de l'entraîneur de la saison. Oui, mais on peut en donner à 3-4 entraîneurs. C'est extrêmement compliqué de définir un entraîneur. Pourquoi chaque entraîneur qui gagne mérite. Voilà, parce que maintenant, l'équipe, elle est mise en place. Il y a eu des bons transferts. Ce qui se passe maintenant, il y a le système qui est là. Ils ont été très en difficulté. On va en parler tout à l'heure. Voilà, maintenant il faudrait le faire sur 90 minutes et on a eu un peu de réussite pour gagner les deux matchs contre Bruges. Il faut être réaliste, contre Bruges et Anderlecht, mais on a 6 points. Moi, juste pourquoi Oufkens, c'est parce que je pense que qu'à partir du moment où une équipe arrive à 3 buts après une mi-temps, c'est que le discours a été efficace. Ouais, c'est juste après la mi-temps. Alors sans doute qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi le stade. Le stade, bien sûr, mais il y a aussi la dynamique du groupe et le groupe qui parle, qui se parle en fait. Mais voilà, je trouve que par définition, il méritait ce point-là. Alors le classico, c'est important, la victoire de Charleroi aussi, on y vient, mais le plus important, vous le savez, c'est le prix Michel Lecomte. Les candidats retenus depuis le début de la saison, ils sont déjà fabuleux, ils vont être difficiles à déloger, les revoici pour vous les mettre en mémoire, parce que dans quelques instants, on va peut-être falloir les déloger comme cette lucarne.
pas facile à déloger. D'ailleurs, ce sont les candidats à ce petit slalom-là. Il est merveilleux, de ce U15 du club de Baines. Le slalom, le jeu collectif, on l'a déjà vu, mais on l'adore, ce but à la fois individuel et à la fois collectif, intelligent et brillant. Et oui, Marc, hein ? C'est un but à la Willy, ça ? Non, ça, c'est un but à la Willy. Boum ! Ah, on réfléchit pas. Non, c'est placé. C'est patate, quoi. Il y en a d'autres, celle-là. Je sais que Philippe l'aime bien, cette petite aile de pigeon, Philippe. Ouais, effectivement. Joueur de l'Académie du Standard. Faut être costaud, là, techniquement. Et puis, encore de la jeunesse, avec cette reprise exceptionnelle, pleine de spontanéité, comme seuls les enfants, parfois, peuvent nous en offrir. Et voici les candidats du jour. Ils sont 8 exactement. Ça commence à Bazoa. Et ils ont été inspirés par Amoudzou, hein, il y a 2 semaines. Bazoa, Alexis Pesotto, 45 mètres. Bravo. Joli. Rochefort, tiens. Je tairai le nom de la personne qui me l'a envoyé, mais Marc W. m'a envoyé celle-ci. Mathieu Cornet, là aussi, hein, presque 40, 45 mètres. Jeu simple. Ouais, c'est... Voilà, à la Marc Wigman. À Binche, Kevin L'Espagne. Ouais, il a vu. Ça, c'est à la fois pour l'inspiration et le geste. Avoir vu le gardien qui était en difficulté. Ce coup franc-là, je l'aime vraiment beaucoup. U17, Steven Provost de Clavinoise. Un U16 ici, Lucas Tossi de Lisière. Un autre envoyé par Olivier Mafuta, mais j'ai pas le nom. Écoutez. Filmé, bah oui, si c'est pas filmé, c'est pas dans le prix Michel Lecomte, donc pensez à filmer, on réécoute et on revoit, elle est pas mal hein, celle-là. Filmé. Quelque beau, hein. Alexis Coffrier de Stoquet, D2 à CFF, pas mal du tout, vous la sentez venir hein. Oui, ouais. Le petit ouais, lap, ah, ouais. Oh, j'aime toujours moi avec les voitures derrière le but, là, le petit parking, ça sent vraiment le foot qu'on aime également. Et le dernier, Louis U12, d'Opagne, Auton, Mormont, magnifique club, regardez. Écoutez. Louis, c'est trop fort ça, Louis. Bravo Louis, bravo à tous et à toutes. Merci de vous envoyer tout ça au prix. À l'adresse mail ci-dessous, prixmlecomte@rtbf.be, prixmlecomte@rtbf.be. Est-ce qu'il y en a un qui rentre dans le classement ? C'est Alexis Coffrier ? Oui. Celui-là était pas mal quand même. Ouais, pareil. Débordement. Le dernier. C'est la pichenette ? Ouais. Ouais. De toute façon, Marc, voilà, il y a déjà 3 votes. Donc, Alexis je suis mort, Coffrier. C'est pas une chose. Alexis Coffrier rentre dans le classement. Bravo, Alexis. Merci aussi pour ce petit bijou. Les Carolo Arbac avec un 6-6 obtenu dans le temps additionnel presque à chaque fois contre le RODM, contre l'Interp ici. Le match, la victoire, le résultat expliqué en un mot pour lancer le débat. Marc. Mazou. Philippe. Habituel. Fou. Swan, fou. Et Cécile ? Ah, c'est 4 mots, mais j'ai repris ce que Mazou a dit, chien de la casse. Quand Philippe le dit, personne ne se plaint de rien. Donc, je dis chien de la casse. Hein. Swan est dégoûté, ce qu'il dit. Voilà. Et donc, tout est permis. Exact. Parce exact. Que lui, il joue le jeu, c'est vrai. Lui, il bosse. Hein, parce qu'il faut plus bosser pour ça avoir va. Un mot que 4. Hein. Non, c'était bien, chien de la casse. C'est vrai. Ça va bien vrai. Avec ce qu'il a dit et ce qui a été fait. On a beaucoup parlé de l'ambiance à Sclessin, du public qui avait peut-être fait la différence, mais à Charleroi, samedi, Philippe, le public a joué son rôle. Et il faut que chaque supporter s'en rende compte dans chaque stade, en fait. Ouais, effectivement, il y avait un bon contingent de l'Antwerp aussi, plus de 900, mais l'ambiance en deuxième mi-temps a transfiguré cette équipe et ils ont été chercher une victoire, pour moi, logique. Oui, c'est un peu comme, désolé la comparaison, mais quand on fait du spinning et on est porté par la musique ou par quelque chose, par un rythme, quand les supporters donnent de la voix, ben, inconsciemment aussi, les joueurs en rajoutent un peu plus sans le vouloir, sans le savoir. Ça te porte, ouais. Ça te donne une énergie supplémentaire, c'est clair. Voilà. Habituel, pour en revenir à cela, c'est la troisième fois que les Zèbres battent quand même l'Antwerp. Hein, donc, seule équipe à les avoir battus 2 fois la saison dernière. C'est costaud. Hein. J'aime bien, j'oublie de lui poser des questions, donc il répond quand même. C'est votre travail, Benjamin. Non, mais ça finit par tomber pour Charleroi, et je pense que les supporters l'avaient bien compris, parce qu'on sait que c'est des supporters qui peuvent être exigeants. Mm-hmm. Et je trouve que depuis le début de la saison, ils ont été assez calmes par rapport au résultat du début de l'année, parce que les supporters, comme la direction, je pense, ont vu que l'équipe allait plutôt dans le bon sens. Et en fait, c'est une énième preuve que quand ça va dans le bon sens et qu'on laisse un petit peu de temps, parce que je pense que Félix Mazou incarne à Charleroi quelque chose qui aussi a pas empêché un club de faire ce qu'il voulait, mais il aurait peut-être été limogé dans d'autres endroits.
Et là, l'équipe est à l'endroit et finit par décrocher les résultats qu'elle mérite, parce que finalement, le jeu en lui-même n'est pas fondamentalement différent de quand ça n'allait pas. Mmh. Simplement, il y a des joueurs qui sont mieux. Je pense à un joueur comme Dragnes qui a enfin pris la mesure du système de Mazzu et de ce qu'il lui demande. Et au final, cette équipe de Charleroi, aujourd'hui, elle est justement récompensée. Les matchs sont toujours un peu fous. Il y a eu le RDOM, il y a eu ce match-là. Mais globalement, dans leurs propositions, ils sont consistants footballistiquement. Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'on sent qu'il y a une connexion naturelle entre Felice Mazzu et Mehdi Bayat. Et le fait de savoir que Mehdi Bayat ne va pas virer Felice Mazzu parce qu'il perd deux matchs, c'est important en fait, pour tout le club, pour tout l'équilibre du club, pour un vestiaire aussi qui sent ces choses-là, que tout le monde est soudé. Marc le sait, à ce niveau-là, quand il y a une stabilité pour l'entraîneur, on travaille complètement différemment pour en revenir. Voilà, on commence doucement avec le match de Charleroi, qui est déjà un petit peu plus froid, puisque ça date de samedi soir avec la victoire des Zèbres. On l'a dit, Vincent, tu as déjà touché un mot de ce match-là. Peut-être plus largement sur justement ce dont ils sont en train de parler avec Felice Mazzu. Oui, qu'on a senti stressé, mais qu'on a sans doute dû sentir libéré aussi après le match. Là, battre les champions en titre, alors qu'ils les avaient déjà battus deux fois la saison dernière. Est-ce que c'est maintenant l'élan nouveau, le souffle nouveau, c'est maintenant que Charleroi rebondit? En tout cas, c'est un match, je pense que c'est un match comme celui de Molenbeek d'ailleurs, juste avant la trêve internationale, un peu déclic. Bon, parce que le scénario, parce que la victoire est au bout, parce que, oui, comme ils l'ont dit en plateau, Mazzu et Charleroi, on sait que c'est parti pour durer, quels que soient un peu les résultats. Je pense que la continuité est là dans le chef de la direction du Sporting de Carolo. Et ça, c'est bien pour un coach. C'est évidemment bien. Un coach se retrouve, je ne vais pas dire dans une situation confortable. Il est toujours sur un siège éjectable, mais sans doute un petit peu moins à Charleroi qu'ailleurs. Et donc, le groupe des joueurs doit le sentir aussi, ça, que cette confiance. On se souvient du discours il y a quelques semaines de Bayat. Ils avaient été battus là de manière imméritée dans, je ne sais plus très bien dans quel match, mais Bayat était descendu sur le terrain en disant on s'en fout de ce qu'on dit de nous, moi je sais ce que vous produisez, on continue. Quelques semaines plus tard le résultat est là, l'équipe a continué à bien jouer, elle est passée à travers très peu de matchs en fait depuis le début de saison et elle récolte aujourd'hui un petit peu les fruits de la continuité et Mazzu fait partie dans l'espace-temps là, du Sporting Carolo. Mazzu fait vraiment partie du continuum et ça se sent et c'est vrai qu'une victoire comme celle d'hier de samedi est très importante pour la suite de la compétition du Sporting de Charleroi. Mathieu nous dit justement, cette direction est patiente, elle sait que la pièce va tomber du bon côté à un moment donné, et c'est exactement ce qui se passe. Bah, effectivement, Mehdi Bayat, il l'avait dit comme ça, hein, on n'a pas de peau, on n'a pas de chance. Voilà, ici, c'est peut-être même plus que de la chance, parce qu'aller battre cette équipe de l'Antwerp, elle est vraiment pas imméritée au vu de la deuxième période, cette victoire. Non, je rappelle que l'Antwerp, avant de se déplacer à Charleroi, c'était 5 buts encaissés depuis le début du championnat, donc c'était la meilleure défense, ça l'est toujours, mais là, ils en ont pris 3, certes sur 2 pénalties, on peut discuter des pénalties, mais ça on le verra tout à l'heure dans la page arbitrage avec Benjamin et Monsieur Boucault. Mais non, c'est loin d'être immérité. Ça fait quand même 5 ans que l'Antwerp n'a plus battu Charleroi aussi. Bon, alors ça s'appelle une bête noire ou un mouton noir ou ce que vous voulez. C'est noir, en tout cas, pour l'Antwerp quand il se déplace à Charleroi. C'est vrai, et ça signifie aussi pas mal de choses positives pour Charleroi, qui va quand même avoir un calendrier assez chargé ici. Je pense qu'il va y avoir la Gantoise qui va arriver rapidement. Oui, il y a un match de coupe aussi juste derrière contre une équipe de division inférieure, mais oui, il va falloir enchaîner, c'est clair. Mais là, je pense que mentalement, et on sait au combien le mental peut faire la différence parfois dans des périodes un petit peu plus sombres. Mentalement, les Carolo ont fait un vrai pas en avant avec les deux dernières victoires là à domicile, le Molenbeek avant la trêve et l'Antwerp samedi soir. Et d'autant plus, j'ai vu des questions passer par rapport à Zorgan aussi, qui n'était même pas sur la pelouse, alors qu'on dit quand même que c'est l'architecte de cette équipe. Finalement, je pense qu'il est monté dans le dernier quart d'heure. Ça prouve des choses aussi, que Charleroi s'est gagné avec d'autres joueurs, a su reconcerner un joueur comme Morioka, qui ne jouait plus beaucoup. Ça veut dire que là, on pensait qu'il n'y avait plus énormément de solutions pour Felice Mazzu. On en retrouve avec Stulic, notamment, qui a été intéressant aussi. Oui, le banc est un petit peu plus large qu'on ne l'imaginait sans doute. Bon, il y a les circonstances de jeu. Stulic qui marque son tout premier but. Hein, il n'avait quasiment pas été titulaire une seule fois, d'ailleurs, lors de la première journée de championnat, avec une exclusion à la clé. Et depuis lors, il avait un peu disparu de la circulation. Il était très peu utilisé. Dabag n'était pas là, l'attaquant palestinien. Zorgan
Bayern revenait d'un périple avec son équipe nationale un petit peu compliqué, arrivé en retard, bref, pas tout à fait apte à débuter un match selon Felice Mazou. Oui, il y a un petit peu de réservoir, mais je pense que si le Sporting veut viser le top 6, ce qui doit être quand même un objectif quand on sait, quand on voit combien de points perdent les équipes qui se trouvent là en haut de tableau, ce week-end notamment, ça doit être un objectif pour le Sporting Carolo. Il faudra peut-être quand même penser à se renforcer un petit peu offensivement, malgré tout, à la trêve. Oui, ça c'est vrai que Mehdi Bayat avait déjà signalé que la version du noyau actuel était sans doute la meilleure qu'il allait avoir cette saison, puisque on s'attend à ce qu'il y ait des départs, notamment de Zorgan, et pourquoi pas de Nkuba s'il revient en forme à temps. On sait que c'était dans les ambitions, en tout cas, de Mehdi Bayat, de le vendre. Une autre question, elle nous vient de Mathieu, qui nous dit « Bonjour, Lance-Louis Vincent, que pensez-vous de la situation du club de Bruges ? Meilleur noyau sur papier en Belgique, mais rien ne va en ce moment. Est-ce que vraiment tu trouves que rien ne va, ou est-ce qu'il y a juste ce petit manque de baraka ?» C'est un peu exagéré de dire que rien ne va, parce que Bruges n'est pas l'équipe qui produit le moins bon foot là, des équipes habituelles qui doivent se retrouver en tête du championnat. Mais statistiquement parlant, ça fait 5 matchs consécutifs sans victoire pour Bruges. C'est plutôt inhabituel. Et c'est surtout le pire début de championnat depuis 40 ans pour le club de Bruges. 40 ans, il y a des entraîneurs qui ont valsé pour moins que ça. Et donc on sait toute la confiance que les dirigeants brugeois ont placée en Ronnie Deila, qui n'est pour l'instant pas vraiment mis en cause dans la situation actuelle, notamment par, j'ai encore pu lire les éditoriaux de nos collègues du nord du pays ce matin. C'est pas lui qui est pointé en tête de gondole, si je puis dire, sur la responsabilité de ce qui se passe à Bruges pour l'instant. Je pense qu'il y a vraiment un souci avec pas mal de joueurs sur la pelouse. Van Aken, par exemple, je pense qu'il est plus du tout au niveau. C'est plus le Van Aken rayonnant. Et c'est plus le Van Aken soulier d'or qu'on a connu rayonnant, effectivement. Et il n'y a pas que lui. Donc je crois que Deila a les capacités de remettre le train sur les rails, le train brugeois sur les rails, d'autant que ça piétine un petit peu devant, hein, à part l'Union Saint-Gilloise qui continue à caracoler en tête. On a vu les images d'ailleurs, oui. Mais le club de Bruges doit quand même faire attention à ce qui arrive, parce qu'il a un calendrier surchargé. Il a la Coupe d'Europe qui arrive. Ils ont 4 points sur 6 pour débuter cette Conference League. Là, ils jouent un match qui ne sera pas simple du côté de Zurich face à Lugano ce jeudi. Oui. Il va falloir enchaîner et retrouver vite. Et on sait que Deila a dit « Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de mettre en place des choses parce qu'on joue tous les 3 jours. » Bah oui, mais ça, il le savait en signant à Bruges. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a le problème de l'attaquant. Avec Igor Thiago, qui a coûté 8 millions d'euros et qui ne ressemble pas vraiment à un attaquant qui coûte 8 millions d'euros. Jusqu'ici, en tout cas... Il y en a eu d'autres avant. Mais il y en a eu d'autres à Bruges, hein, des attaquants qui sont venus. On rappelle le flop Yaremchuk. Yaremchuk, récemment. Avant ça, il y avait un tchèque Kremenchik. Okereke, c'était pas une grande réussite non plus. Bruges a quand même du mal à trouver son attaquant avec lequel il part pour marquer une vingtaine de buts, ce que d'autres faisaient à l'époque. Et puis peut-être aussi défensivement, avec une défense qui est peut-être un peu trop portée vers l'attaque. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais considéré que Buchanan était un vrai back droit. Non, il est aligné comme back droit. Une défense aussi très très jeune. Hein. Le jeune Sabé n'est plus dans l'équipe parce qu'il est blessé. Sans quoi, c'est un gamin de 18 ans qui serait titulaire. Ouais. Spillers a le même âge. C'est un peu léger peut-être derrière, effectivement. Mignolet n'est plus dans chaque match le Mignolet Superman qu'on connaissait, et de fait sur le point de vue de Thiago, là c'est clair que c'est un vrai problème pour l'instant pour le club de Bruges. Il y a un total manque de confiance. Moi je me souviens l'avoir vu lorsqu'il évoluait en Bulgarie avec Ludogorets, puisque j'avais fait le déplacement Ludogorets-Anderlecht à l'époque en Coupe d'Europe, c'était il y a 2 ans. C'est sans doute là qu'il avait tapé un peu dans l'œil des brugeois notamment. C'est pas tellement un attaquant pour Bruges, j'ai l'impression. En tout cas, pour le jeu que veut développer Ronnie Deila. Il me semble, on va pas taper sur le garçon plus qu'il n'en faut, mais c'est pas extrêmement raffiné techniquement, mais il ne marque pas beaucoup de buts, il n'a pas beaucoup d'aisance devant le but. On a encore vu les occasions qu'il a eues, notamment celle en première mi-temps contre Courtrai. Vandenberg est sauvé par son montant.
Il devait finir. Et voilà. Beaucoup de situations sont identiques avec Thiago depuis quelques semaines, mais c'est clairement un manque de confiance. Peut-être que le simple fait de pouvoir mettre un but ou deux buts dans une rencontre va lui servir de déclic. On le souhaite pour Bruges, parce que Bruges a, je le répète quand même, un fameux statut à défendre sur la scène européenne aussi, et ça ferait du bien à la Belgique, évidemment, que le club de Bruges, comme les autres qui sont sur la scène européenne, puisse performer. Mais on voit que les supporters de l'Union se manifestent. Bon, eux, leur match remonte déjà à un petit temps, c'était vendredi soir. Une balade bruxelloise du vendredi soir. 4-1, après le 0-4 à Saint-Tron. On a l'impression que peu importe l'adversaire, ça marche, ça déroule, ça peut se permettre de faire tourner un peu l'effectif. Il y a des joueurs qui ne jouaient pratiquement pas, qui montent et qui marquent. Bon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'Union Saint-Gilloise. Oui, et j'ai vu le discours de Blessine à la fin du match, qui était un peu furieux sur ses joueurs d'avoir pris un but. Bon, voilà, ça situe le contexte et ça situe aussi cette Union Saint-Gilloise. 26 buts inscrits, je viens de vérifier, c'est la meilleure attaque du championnat en 11 rencontres. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut... Pour l'instant, il n'y a pas de grains de sable, en tout cas, dans la machine unioniste. Les seuls grains de sable qui peuvent être entrevus, ce seraient des grains de sable européens, quelque chose qui se passe sur la scène européenne et qui tourne mal, et que ça trotte un petit peu dans la tête. Mais Blessine m'a l'air bien en place, là. Il a... C'est fou, on le répète semaine après semaine, mais c'est fou ce que ce club... Le miracle permanent. Oui, c'est un miracle permanent, ce qui se passe à l'Union, ça c'est vrai. Avec Elton Kamangou qui a marqué son premier match, Amoura qui est monté au jeu, qui lui aussi revenait du même déplacement compliqué avec l'Algérie, qui monte et qui marque, et puis Puertas qui en est déjà à la 13e action décisive depuis le début de la saison. C'est le joueur le plus décisif depuis le début de la saison en Pro League, si on compte aussi les Coupes d'Europe. Il n'y a personne qui a été plus décisif que lui. Bon, évidemment, tout le monde se pose la question, et je vois qu'on se pose aussi la question dans le chat à plusieurs moments. Est-ce que c'est cette année pour le titre? Est-ce que cette année, l'équipe de l'Union est plus complète que les autres années? Mieux armée pour le titre? Moins bien? Est-ce qu'elle sait jouer sur les deux tableaux ou pas? Jouer sur les deux tableaux, elle a prouvé qu'elle savait le faire. Donc, certes, les joueurs sont un peu différents. Il y a eu des départs, on ne va pas les rappeler. Mais oui, en tout cas, candidat au titre, certainement, après un tiers de compétition de phase classique. Avoir aussi peu de pépins, être aussi bien engagé, ne connaître quasiment aucun vent de tempête, mais seulement quelques petits soubresauts de temps en temps qui viennent gêner l'équipe. Oui, moi je vois l'Union de toute façon encore en train de disputer le titre. Alors est-ce que c'est la bonne année? Troisième, deuxième, il manque plus que la première place, mais c'est un peu tôt pour le dire quand même. Ce qui va tuer l'Union, c'est les play-offs comme les deux dernières années, malheureusement. Ça, c'était vrai les autres années, parce que l'Union n'avait pas vraiment la matière pour faire tourner son effectif. Mais ici, cette saison, on a senti qu'Alexander Blessine, dès le début du championnat, voulait faire tourner pour faire souffler des cadres. C'est peut-être l'expérience de ces années précédentes-là qui change aussi un petit peu. Contre Saint-Tron, l'équipe a complètement tourné. Contre Charleroi, c'était l'équipe B, ils ont gagné 3-1. Il y a une approche qui semble différente des deux saisons précédentes, en tout cas. Oui, et des deux entraîneurs précédents, oui. Mazou et Gerhardt, qui avaient vraiment leur 13-14 joueurs et qui faisaient très peu tourner, en fait. Et là, c'est vrai qu'on est dans une politique sportive un petit peu différente, avec des joueurs, on n'oublie pas, qui pour la plupart étaient quand même dans le noyau, connaissaient la musique, connaissent la maison, les Puertas dont on parle. Ce sont des joueurs qui étaient là en embuscade, qui attendaient leur moment. Et bien, leur moment est arrivé cette année-là et ils sont en train de prendre leur chance complètement. Les Machida aussi, que j'aime bien, moi, derrière. Ouais. Et puis les découvertes. Voilà, l'Union a quand même le chic depuis 3 ans de nous faire découvrir des joueurs plus ou moins épatants, quand même. Voilà, et Kert Ayensa s'est blessé, on s'est dit aïe, et pourtant Nilsson a pris le relais. Bon, maintenant Nilsson est blessé et c'est probablement un autre attaquant qui va prendre le relais. En attendant, tous les attaquants sont pratiquement à 5 buts. Hein. Je pense que Nilsson, c'est 6.
6, mais Eckert, il en a 5. Et Amoura, je me demande si ce n'était pas son 5e ce week-end aussi. Alors, vous avez pas mal de questions par rapport au standard. Quand est-ce qu'on va parler du standard? Vous le savez, vous pouvez le voir dans le petit bandeau défilant, là, quand vous regardez la tribune, la grande tribune sur votre télévision. On va en parler après les Diables Rouges. Ce sera évidemment l'un des grands thèmes de la soirée. Donc, on va y arriver tout doucement. Mais on avait pas mal de choses à discuter avant d'arriver à ce match-là, parce que ce sera un vrai gros chapitre. On peut déjà anticiper sur quelques débats, parce que bon, il y a notamment un mot qui revient très souvent, Vincent, et je pense qu'on ne va pas y couper, c'est Jonathan Lardot, avec des débats qui pour nous n'en sont pas, mais qui sont peut-être intéressants d'éclaircir quand même, pour déjà donner notre point de vue par rapport à ça. Beaucoup de supporters anderlectois qui se plaignent qu'un Liégeois a été désigné pour arbitrer le match du Standard. Ça veut dire que d'emblée, on considère côté anderlectois qu'il y a un biais. Forcément, quand on est liégeois, on avantagera le Standard de Liège. Alors évidemment, on ne souscrit pas du tout ce genre de réflexion. Maintenant, elles existent beaucoup. C'est dommage de s'arrêter là dans la réflexion, en fait. Oui, alors effectivement, moi, Jonathan Lardot, c'est plutôt un arbitre que j'apprécie de manière globale dans sa manière d'arbitrer. Alors, je trouve malgré tout que c'est comme à l'époque, Alexandre Boucaud, qui est sur notre plateau, qui est désormais notre référent en arbitrage, il est moucronois et je me souviens l'avoir vu souvent arbitrer des matchs de Moucron. Et à l'époque, je me faisais déjà les réflexions, je ne trouvais pas ça nécessairement de la part de la commission d'arbitrage, donc qui désigne les arbitres sur les matchs. On rappelle quand même que ce n'est pas Jonathan Lardot qui lève la main ou lève le doigt en disant « Dites-moi, j'aimerais bien arbitrer Standard Anderlecht et le Classico. » Donc, mettre en tout cas Jonathan Lardot un peu plus à l'abri de ces remarques-là, en ne le mettant pas sur un classico, mais alors ça veut dire priver un de nos meilleurs arbitres, je trouve, d'un des matchs phares de la saison. Maintenant, vous me direz, il y a d'autres matchs phares, il y a des Bruges-Gand, il y a d'autres choses, mais voilà, il faut essayer de mettre ça de côté. Ces gens-là ne sont pas, il faut se retirer ça de la tête, que ces gens-là ne sont pas... Maintenant, je comprends les supporters qui disent tout cela. On voit un peu le mal partout, en quelque sorte. Mais sincèrement, la commission centrale d'arbitrage aurait peut-être pu faire d'autres choix, c'est vrai, même si je trouve que Lardot est un excellent arbitre au demeurant. Axel nous dit, une petite question bien précise, je reviens sur le décès de Bobby Charlton, je trouve que c'est malheureux de ne pas en avoir parlé. Eh bien, on va en parler, parce que c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, en tout cas du côté de l'Angleterre, c'est une légende absolue. On va en parler. Oui, tout à fait, on va évoquer la carrière de Bobby Charlton, un monstre sacré du football anglais. Ça va même susciter une petite bagarre en lien avec le décès de Bobby. Donc je vais me bagarrer avec Philippe Albert tout à l'heure. Comme ça, oula, oula. Oui, c'est pas gagné d'avance. Normalement, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Non, de poids, non. De poids, a priori. Non, poids plume contre poids lourd. Attention. dans l'émission, pour l'instant, ils sont en train de parler des Diables Rouges. Du coup, j'en profite pour faire un petit crochet parce qu'il y a pas mal de questions aussi. Que penses-tu pour l'instant de la forme de Luis Openda? On vient de voir ses buts dans l'émission. On vient de voir ses buts avec Leipzig. Il est en très grande forme avec Leipzig, avec de meilleurs temps de passage que sa saison à Lens, si j'ai bien vu ce qui était ressorti comme stat. Oui, c'est bien probable. J'avoue que j'ai regardé le match de Loïs, c'était contre Darmstadt. Darmstadt, bon, qui n'est pas un foudre de guerre, mais au-delà de ses deux buts, il fait un assist, but annulé. Il marque deux autres buts annulés pour hors-jeu, mais ça veut dire qu'il est tout le temps... c'est un gars qu'on ne va pas pouvoir retirer de l'équipe du côté de Leipzig. Hein. Il y a quand même un Werner là derrière aussi sur le banc qui attend. Donc, Poulsen, il y a des bons joueurs. Il y a Poulsen qui joue à ses côtés là, dans ce match à Darmstadt. Donc il va faire très mal cette année en Bundesliga, Luis Openda. Et en lien avec l'équipe nationale, c'est vrai qu'on peut se demander si au prochain rassemblement, on joue un match amical contre la Serbie tout d'abord. Moi, je verrais bien Luis Openda titulaire d'entrée dans le poste de Lukaku. On laisse Lukaku souffler un petit peu contre la Serbie dans ce match amical. Et puis, il y a le match décisif contre l'Azerbaïdjan, enfin décisif, pour savoir si oui ou non on gagnera ce groupe. Et on sera tête de série lors du prochain tirage au sort. Mais oui, Openda, vraiment 3-4 étoiles pour l'instant.
Mickaël nous parle de Yannick Carrasco. Il m'a paru particulièrement en forme malgré ce que je pensais de son transfert en Arabie. Je suis agréablement surpris du niveau de l'engagement, même si c'est vrai que cela fait peu de temps qu'il est parti. Voilà, Yannick Carrasco. C'est vrai qu'on pouvait tous légitimement se poser des questions, mais sur sa mentalité, il n'y a pas de questions à se poser. Yannick, il a passé un cap, je pense. On rappelle qu'il avait déjà, il était déjà parti en Chine et on s'était posé les mêmes questions. Il avait répondu sur le terrain avec l'équipe nationale. Moi, je pense qu'il est à pleine maturité, là, Yannick Carrasco. Il a 30 ans, il vient de les fêter. Et en équipe nationale, il sait désormais qu'il a un autre rôle à jouer. Il est peut-être libéré par ça aussi quand il vient avec les Diables. Le fait d'être un des cadres désormais de l'équipe, alors qu'il ne l'était pas nécessairement du temps où Eden était encore là, par exemple, sur ce flanc, sur ce même flanc. Je trouve qu'il est complètement libéré. Maintenant, son choix, moi, je ne vais pas discuter de ça. On en a déjà suffisamment parlé, son choix d'aller en Arabie Saoudite. Moi, je constate que quand il revient en équipe nationale, il est performant. Point. Point. David nous dit Youri Tielemans revient en forme et cela va se bousculer dans notre milieu. Il a donné un assist alors que le score était déjà pratiquement acquis avec Aston Villa contre West Ham. Ben, on a vu un petit bout de Youri Tielemans pendant cette mi-temps dont finalement tout le monde a déjà oublié beaucoup de choses vu le contexte particulier. Il a remontré des petites choses intéressantes quand même, Tielemans. Dans cette première mi-temps, qui restera malheureusement dans l'histoire marquée du saut de cet attentat, mais dans cette première mi-temps sur le plan purement sportif sur la pelouse, il y a pas mal de choses négatives à dire et les Diables sont passés un peu à côté des critiques vu les événements bien sûr qui devaient prendre le dessus sur l'analyse purement sportive. Mais si on revient quelques secondes là-dessus, moi je trouve que par contre, Tielemans faisait partie des points positifs de ces 45 minutes disputées contre la Suède. Et donc, c'est dommage pour lui que ce match n'ait pas été au bout, qu'il n'ait pas pu aller au bout de son cheminement là, et de ce renouveau dont on espère qu'il sera plutôt positif avec les Diables Rouges. Il faut qu'il rejoue en club, bien sûr. Là, c'est clair qu'il faut qu'il ramène une place de titulaire. C'est pour ça qu'il est allé à Aston Villa. Mais Tielemans, il est encore jeune. Hein. Il a énormément de sélections. Je ne sais plus combien exactement, mais il a passé le cap des 50 sélections, pas loin des 60. Et ce type, il a 25 ans, quoi. Donc, 25 ou 26 ans. Donc, il ne faut pas condamner un Youri Tielemans. Il fait partie de l'avenir de l'équipe nationale. On nous dit que la Suède a fait une meilleure mi-temps, oui je dis bien, que les Diables Rouges. C'est pas complètement faux hein, dans cette première mi-temps, ils ont été intéressants quand même les Suédois alors qu'on rappelle qu'ils n'avaient absolument plus rien à gagner. Une dernière question peut-être plus globale par rapport à la fenêtre internationale du mois de novembre, on va jouer contre la Serbie et puis contre l'Azerbaïdjan pour le dernier match qui devrait nous assurer en principe une place de tête de série en cas de victoire, ça doit être le cas à domicile contre l'Azerbaïdjan. Est-ce que tu espères, toi, de ton côté, que Domenico Tedesco va élargir le groupe, essayer des choses, innover, inventer ? Alors, ce que moi, j'espère et ce que Tedesco va faire, c'est assez différent, je crois. Tedesco a déjà plus ou moins répondu en disant on n'est pas dans une période de... On n'a pas suffisamment de temps pour être dans une période d'expérimentation, d'apprentissage. Voilà, j'ai déjà très peu de temps avec le groupe. Moi, ce que j'espère simplement, c'est que le groupe va un peu s'élargir, parce qu'il convoque toujours 23 joueurs. 23, ça me semble quand même relativement peu. Bon, il ne faut pas aller dans l'extrême opposé et avoir 35 joueurs sous la main. Mais laisser la porte ouverte quand même à quelques joueurs qui le méritent. Moi, je suis toujours... depuis le début, je trouve que Witsel aurait dû être dans la première sélection de Tedesco. On ne va pas refaire le débat, mais un Witsel aujourd'hui... ça pourrait être une solution en défense centrale. Hein. Si demain il arrive une craque, une croque ou ce que vous voulez à Vertonghen ou un théâtre qui pour moi me plaît vraiment bien, même si c'est pas son poste de prédilection, si ces deux-là sont pas là, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher Borno, on va chercher De Bast. On a quelle moyenne d'âge derrière un Witsel ?
Enfin, j'ai pas vu ce week-end s'il a joué avec l'Atlético, mais c'est quand même. Dites-le nous en commentaire. Ouais, tiens. Voilà, j'ai pas pu tout voir, mais Witzel, il est utilisé à ce poste-là désormais, hein, par un Simeone. C'est quand même pas le dernier des entraîneurs hein, sur la terre. Donc c'est vraiment dommage. On va parfait. Je pense pas qu'il y aura un retour en arrière hein, sous l'ère Tedesco. Peut-être que si Tedesco n'est plus là après l'Euro, Axel reverra son jugement. Il a joué comme défenseur central droit dans une défense à 3, ce qu'il fait assez régulièrement maintenant. Witzel pour une victoire 0-3 de l'Atlético de Madrid contre le Celta de Vigo. Classico spectaculaire. Je vois qu'on arrive dans le débat, mon cher Vincent. Alors, on va se soustraire et écouter un petit peu ce qui se passe là-bas. Et puis, on reviendra. On fera des allers-retours entre le débat d'en bas et celui d'ici. Une reproduction antifo d'une photo prise au stade en 1936 du Standard. Et donc, voilà, c'est bien quand c'est positif. On l'a dit, on l'a promis. Quand ce sera beau, on le montrera. Et donc, bravo pour cette créativité-là aussi. Ça a inspiré les joueurs. Il y a eu combien de tournants dans ce match pour vous, Swan? C'est une question difficile. Pas un, évident. Oui. Et deux, avec la je mets la mi-temps dedans. Ok, c'est vrai. Philippe? Trois. Avec? Une des deux occasions ratées en première mi-temps du Standard. Oui. La faute de main de Léonie et le pénalty non sifflé sur Dolberg. Voilà, on va avancer. Et c'est vrai que le premier peut-être tournant du match, mais finalement, le match ira dans la direction du Standard. Mais c'est à 0-0. La première grosse occasion, c'est Gennepo. Vous en avez parlé tout à l'heure, Cécile. C'est son petit péché, pas mignon, parce qu'il fait des choses extraordinaires, mais il faut quand même à un moment donné conclure. C'est dommage. Il a vraiment cassé de base. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant. C'est aussi incompréhensible qu'impressionnant de voir qu'il frappe comme ça, à ce point-là, au-dessus du but. Mmh. Il a vraiment le côté qui est ouvert. Pourquoi vous souriez, Swan? Parce qu'on en a parlé un peu avant l'émission avec Marc, qui me disait assez justement que pour marquer, il faut cadrer. Mais moi, je reste persuadé que sur cette action-là, Gennepo, il veut marquer, dans sa tête, il veut marquer un but qui va marquer le Classico. Parce qu'en vrai, plat du pied, à terre, sol. Comme du sol. Voilà, comme il la met là, il vise la lucarne. C'est même pas la lucarne qui veut. C'est pas la lucarne qui veut. Il veut l'équerre et il n'y a pas de souci. Et le plat du pied, Thierry Henry, il rentrait très bien là-dessus. Mais il est dans son action, c'est un joueur d'instinct, on en parlait avec Amour un peu plus tôt. Et pour moi, dans sa tête, quand il contrôle et qu'il passe Sardella, il sait qu'il va faire le passement de jambe et il sait qu'il veut lucarne opposée. Il a déjà visualisé son but. En fait, à partir du moment où il est dans le passement de jambe, il n'y a plus d'analyse de la situation sur le but facile. Il est déjà dans « je vais tirer ici ». Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est ce qui se passe. Philippe, le sage. Ouais, au ras du sol, je suis certain qu'au ras du sol, il marque. Schmeichel, à ce niveau-là, n'est plus le gardien d'il y a quelques saisons. Il a voulu marquer l'histoire et ça change tout, finalement. Hein. Oui, ça change tout, mais ça ne change rien. Au final, voilà. Finalement, en tout cas, ça change le scénario du match, parce qu'à partir de ce moment-là, Anderlecht est passé au-dessus en première mi-temps, ouais. Et plutôt dans la mise en place à la fois tactique et technique. On est d'accord avec ça? Ils ont ciblé, même harcelé le flanc gauche défensif du Standard, et ça a fonctionné, Marc. Ça a fonctionné, surtout avec Sardella qui a pistonné, qui avait en possession de balle, partait tout le temps côté droit. Obligé Gennepo et Ngoy de voir vraiment travailler, et là, ils ont tout. Regardez Gennepo qui a déjà 20 mètres de retard. Il ne saurait pas, parce qu'il joue à 4. Anderlecht et ici ils sont à 3, donc à un moment donné il est en un problème et c'est Ngoy qui se retrouve souvent en 1 contre 1. Par contre, il faut aussi remettre la qualité de Thorgan Hazard que j'ai rarement vu à ce niveau-là, en tout cas qui revient très bien, et toute la première mi-temps c'était du grand Hazard, du grand Thorgan, et quand lui baissait, Anderlecht baissait aussi, donc mais Anderlecht était vraiment pratiquement le roi du terrain. Là, c'est le but. En première mi-temps, ah, il trouve l'espace. Ngoy, est-ce qu'il pouvait mieux faire ou est-ce que justement il était abandonné? Il doit être plus près, mais l'appel contre appel de Dolberg là mystifie complètement Van Eusden. Et voilà, un grand attaquant en fait qui joue le jeu à la perfection. Je rejoins Marc, la première mi-temps d'Hazard était absolument géniale à ce niveau-là. Dreyer était bon aussi, un peu moins Léonie dans l'impact. Voilà, ici de nouveau Ngoy qui se fait un peu avoir trop facilement là, oui. au niveau physique. Ouais. Et on sait ce qu'il en est advenu. Ngoy, il se trompe sur ce duel. On voit tous ce qu'il veut faire et essayer de repartir proprement, mais c'est une phase de jeu où il doit tacler. S'il tacle, le ballon, soit il sort, soit il repart avec.
Mais pour revenir sur le premier but, Ngoï, il est loin, il en est effet. Trop loin. Il est trop loin, ouais. Mais il est trop loin parce qu'il hésite entre Sardella et toujours pris entre et d'ailleurs parce que Dzeko n'était pas là. Pour ceux qui ont vu le match hier, ça a été évoqué à la mi-temps. Mais Ngoï peut faire mieux, mais il n'était pas aidé sur la première période. Ouais, il l'a dit lui-même d'ailleurs à la mi-temps. Ouais. Et on voit d'ailleurs, et là on va un petit peu accélérer avant de revenir dans l'ordre chronologique à ce qui s'est passé dans le match. Mais Dzeko, regardez la palette de la deuxième mi-temps, il y a quand même une adaptation. Il s'est retrouvé quand même beaucoup plus proche d'Ngoï. Swan. Oui, et de toute façon, le Standard a eu son temps fort et ses meilleurs moments quand il a joué plus bas. En première période, le Standard a joué beaucoup plus haut et de fait, Dzeko s'est retrouvé dans des phases de presse beaucoup plus importantes et finalement, ce que Anderlecht a très bien fait, pour moi, ce n'était pas forcément qu'un plan tactique, c'est qu'ils ont profité de la qualité de leurs joueurs pour arriver à trouver Dreyer dans l'endroit où le Standard n'était pas à l'endroit. Et en seconde période, le Standard a joué beaucoup plus à l'endroit, a eu un bloc beaucoup plus bas, a laissé Anderlecht faire beaucoup plus de passes, mais ont été très dangereux pendant un moment où Anderlecht l'a été beaucoup moins. Mais en seconde période, je pense qu'on a vu un Standard qui était une meilleure équipe et qu'en première mi-temps on a vu un Anderlecht qui était peut-être l'équipe avec les meilleurs joueurs sur le terrain, mais je pense que la meilleure équipe c'était le Standard. Voilà, sans changer les joueurs, il y a quand même une adaptation de l'entraîneur à la mi-temps. Mise au point tactique d'Oufken, ça s'est vu sur les images, ça s'est vu sur le résultat et en face, tout allait très bien, donc le message a probablement été différent, même s'il aurait fallu... Voilà, un discours malgré tout assez corsé. On y va à la fois, hein, parce que là c'est 0-2 et presque 0-3. Et au moment où il y a ce but annulé, qu'on reverra avec Alexandre Boucaud dans quelques minutes, il y a cette image incroyable. Et à la fois des joueurs qui veulent se parler, à la fois il y a Bokadi qui dit « Allez, arrêtez ce cirque, il faut y aller maintenant ». On sent que le Standard vacille à 0-3, virtuellement 0-3. Le Standard vacille très fort. Normalement, c'est 0-3. Et à partir de là, les joueurs commencent à se parler. Il y avait des trous partout, ils ne parvenaient pas à avoir la possession. Et c'est vraiment compliqué en plein match. Et puis tu sens aussi que tu vas peut-être prendre une tripotée. Mmh. C'est fou. Parce que là, tu te dis, il reste 25 minutes. Moi, j'ai pensé, bon, s'ils en mettent 1-3, il faut absolument marquer avant la mi-temps pour encore exister. Et puis le but a été annulé, on l'expliquera après. Mais le Standard était très mal, voilà, au niveau collectif. On reviendra sur l'arbitrage avant, parce qu'il y a mille façons d'expliquer un résultat dans un match. D'ailleurs, vos mots ne sont pas pareils. Et donc, on ne veut pas tout mettre sur les décisions d'arbitre ou pas. Donc, on veut d'abord regarder le contenu. Mais mentalement, cette annulation du but, elle vaut un but pour le stade et pour les joueurs. Ce n'est pas 0-2, en fait, à ce moment-là. C'est 0-3 et 1-3. Et c'est comme si le Standard venait déjà de marquer un but. Écoutez quand le but est annulé. Ça, pour moi, c'est le tournant. Voilà, et là, quand on est joueur, on entend ça et on se dit « Waouh !» Allez, voilà. Après la discussion le match revit. Qu'ils ont eue ensemble, un peu de, tu vois, et puis ça revient à 0-2, on vit toujours. On est toujours ça, là. Ça vous garde en vie. Quoi. Voilà, ça nous garde en vie. Et c'est vraiment ça, le message qui a été donné à ce moment-là. Oui, là-dessus, on le ressent très fortement, hein, que mentalement, il y a quelque chose qui se passe. Le VAR a apporté ça dans les matchs de foot, c'est une nouveauté finalement. Oui, c'est une nouveauté et c'est ce qui a amené effectivement la deuxième mi-temps, donc ça a maintenu le Standard dans le match. Mais surtout que Sclessin était déjà en feu. Ouais. Donc je veux dire, c'était l'étincelle qui a fait vaciller la maison anderlechtoise en fait. Hein. Oui, même si lors de la fin de mi-temps, il n'y a pas vraiment d'occasion pour le Standard. Il y a déjà eu, mais c'était aussi plutôt en début de match, un arrêt de Schmeichel. Et Anderlecht contrôle le match. Il y a cette phase avec l'occasion du 0-3 pour le tir de Thorgan Hazard où il y a, je pense que Thomas van der Linden... C'était 25 passes. 40 passes. Ah ouais. 40 passes du Sporting d'Anderlecht. Ce qui a peut-être inconsciemment donné ce sentiment de supériorité à Anderlecht, Philippe. Ouais, ils ont déroulé la facilité et quand vous êtes dans cette situation-là à Sclessin, vous savez que vous allez souffrir en seconde période, même si la phase, franchement, c'est parfaitement réalisé, mais quand vous rentrez au vestiaire 0-2 après une phase pareille, vous vous dites plus rien ne peut nous arriver. C'est ce que ça, cet arrêt-là, ça change tout aussi, hein, exact, parce qu'on le verra par la suite, Kawabe, c'est exactement la même frappe avec Schmeichel, et lui, c'est pas la prendre. Hein. Oui, on y reviendra, c'est vrai, Schmeichel... Quand tu prends un bouillon comme ça, quand tu cours pendant 3 minutes, tu ne touches pas la balle, tu te demandes dans quel cercle tu es, les autres, c'est le contraire, ils disent aujourd'hui, ça va être facile, deuxième mi-temps. Marc, il y a vraiment un impact qui s'est fait, tu peux pas faire ça. Et un Standard gentil, parce qu'à une époque, l'adversaire qui faisait 40 passes...
ça se passait différemment. C'est juste avant la mi-temps. Peut-être qu'il y a aussi une volonté de se dire, ok, bon, on est là, on n'a pas pris ce troisième but, on verra après. Mais quoi. T'as failli le prendre. Hein. Ouais, je sais bien. Si Baudère n'est pas là, tu le prends 0-3, la match est finie. Juste, je trouve que sur les, alors même le but annulé de Léonie, c'est des transitions. Hein. Donc, je veux dire, ils n'ont pas marqué en attaque posée, Anderlecht, les deux buts. Là, quand même, sur ce tir-là. C'est la première fois où il y a une occasion sur une attaque posée. À chaque fois, c'est des transitions rapides vers l'avant qui mettent en difficulté. Un jeu vertical. Parce qu'à chaque fois, ils sont le standard sur cette action-là. Je ne pense pas qu'ils se disent, à un moment, on va être en difficulté. Ils sont là en train de gérer, en train de se dire, OK, on attend la mi-temps. C'est la genre 46e. Oui, mais bon, comme dit Marc, s'il n'y a pas un grand bonheur, c'est 0-3. Ouais, bien sûr. Mais pour rebondir sur ce que dit Phil sur à l'époque, moi, j'étais quand même assez surpris que dans le temps fort d'Anderlecht, puis dans celui du Standard, le match s'est envenimé quoi à la toute fin, quand les joueurs du Standard ont commencé à gagner du temps avec de Waal au sol, etc. Mais le match a été gentil, je trouve, sur les contacts. Correct. Plus que correct. Plus que correct. Donc c'est ça que vous vouliez dire, Standard, ça manquait à ce moment-là peut-être d'ADN du Standard, pour revenir sur le mot de Cécile, et à l'inverse, Anderlecht est remonté comme il avait quitté la première mi-temps, genre, il ne peut rien nous arriver. Voilà, pourtant, on s'imagine qu'à la mi-temps, Riemer, il doit leur dire ça, les gars, attention, parce que s'il marque, ça va être la folie dans le stade, ils doivent être conscients de ça. N'oubliez pas que quelques jours auparavant, il avait déclaré dans la presse qu'il voulait un Anderlecht spectaculaire. Mm-hmm. Peut-être que dans son esprit, il s'est dit, ici, bon, 0-2, on va peut-être marquer le coup, 0-3, 0-4, et plus rien ne peut nous arriver. Mais c'est la pire des choses à faire quand vous jouez à ce Sclessin. Je rassure tout le monde, tout va bien dans le décor, public, tout le monde est sain et sauf par rapport au bruit. Et dans cette reprise de seconde période, quand ça se sent, les joueurs le sentent. Et moi j'attends de Schmeichel, Vertonghen, Thorgan Hazard ou de Dolberg qui mettent un peu les choses au point au niveau tactique. Ritz aussi. Surtout Ritz. Mettre le pied sur le ballon et montrer qu'on est présent malgré la supériorité de la première période. La furie liégeoise qui est rentrée dans les duels. Mais déjà, attention, parce que ça, c'est une stat qui m'avait frappé à 0-2 et presque 0-3 pour Anderlecht. Il y a une stat qui sort et le Standard gagne vraiment plus de duels qu'Anderlecht déjà en première mi-temps malgré le score. Donc c'est pas comme si le Standard avait été complètement absent de cette première mi-temps non plus, soit dans l'intensité ou en tout cas dans l'état d'esprit. Non, et je pense aussi que les magnifiques actions anderlechtoises trahissent le scénario de la première et le score trahissent la différence de jeu entre les deux équipes. On pourrait se dire Anderlecht a écrasé le Standard en première période. Pour moi, ça n'a pas forcément été le cas. Ils auraient pu mener 3-0, on y reviendra et on reparlera d'arbitrage après. Mais dans le jeu, le Standard a été là. Mais je pense qu'en seconde période, le Standard a vraiment compris comment faire mal à Anderlecht. Et Anderlecht est un petit peu rentré dans bon, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Là, on a revu beaucoup de phases de la première mi-temps avec Anderlecht qui avait terminé cette première mi-temps en enchaînant cette séquence de 45 passes en terminant par une frappe de Thorgan Hazard. À ce moment-là, c'est vrai qu'on parlait de tournant du match, c'est qu'il y en a eu plusieurs dans cette rencontre. Là, peut-être qu'il y a un déclic qui s'est passé aussi au niveau du Standard en se disant, bon, allez, non, là, c'est plus possible. Ou est-ce qu'on a attendu la mi-temps, le discours d'Oufkens? C'est vrai je pense que mentalement, il y a dû avoir beaucoup de choses qui se sont passées dans la tête des Liégeois pour revenir avec cette mentalité différente en seconde période. Mais oui, on a discuté sur le plateau des moments clés, des moments tournants. Moi, je pense que le principal, c'est évidemment le fait que Anderlecht ne fasse pas 0-3, parce que 0-3, je pense pas que le Standard gagne 4-3, contrairement à ce que Oufkens a dit après le match. Bon. Parce que là, le moral est vraiment dans les chaussettes. Mais j'ai entendu aussi les joueurs du Standard, dont Zinho van Heusden, dire, et je le crois parfaitement, dire, vous savez, à 0-2, on rentre au vestiaire, on sait que on n'a pas été absent du match, mais là, on a eu quelques absences, par contre, qui nous ont fait très mal. On sait qu'à Sclessin, avec le public, on en met un et tout peut basculer. Moi, je me souviens, j'étais ici pour regarder le match. J'étais sur l'émission 100% Sport et quelqu'un m'a dit dans le couloir à la mi-temps, est-ce que tu penses que le Standard peut revenir? Je dis, oui, parce que c'est un classico, c'est à Sclessin. Il suffit d'un but et ça peut tout enchaîner. Mais je ne croyais pas si bien dire. Finalement, c'est ce qui s'est produit.
Parce qu'il tombe tôt, et puis il y a cette déferlante de buts en 9 minutes, ça s'inverse. Et à ce moment-là, il reste encore une demi-heure hein, pour Anderlecht s'ils veulent égaliser. Je pense que le dernier but du Standard, il est marqué à la 62e. Donc si on compte les arrêts de jeu, et Dieu sait qu'il y en a eu, Anderlecht avait encore une demi-heure pour réagir, pour remettre le pied sur le ballon, pour recommencer. Et c'est là qu'on n'a plus vu non plus de réaction Anderlecht-Toise. Parce qu'à 3-2, le Standard n'a plus de possibilité, et Anderlecht, pour ainsi dire, pas non plus. Oui, c'est vrai que c'est peut-être ce qui est le plus bizarre en fait dans le chef des Anderlechtois, parce qu'à ce moment-là, c'est presque du tout ou rien. Hein. Perdre 4-2 ou 3-2 à Sclessin, c'est la même chose. Alors là, est-ce qu'ils ont pris un coup sur la cafetière? Certainement, mais il y a suffisamment de joueurs d'expérience dans cette équipe pour se resserrer les coudes, retrousser un petit peu les manches du style des gars comme Vertong, etc., qui n'ont sans doute pas manqué de le faire, mais ça n'a pas pris auprès des coéquipiers. Et il y en a pas mal qui vivaient aussi leur premier classico, véritablement. Donc il faut peut-être se dire que, oui, Anderlecht a été groggy, tout simplement, et n'a jamais pu se relever, malgré la demi-heure qui restait à jouer. Voilà, j'entends qu'on va venir bientôt chez nous, donc je rassemble mes petites fiches, et puis on va voir ce que Benja a à nous dire ici maintenant. À la place de Riemer, est-ce qu'il fallait changer des choses? Il a attendu un, que ce deux, soit... 1-2, non, 3-2. Il aurait fallu le faire à la mi-temps. Et quoi alors, comme changement? À la mi-temps, resserrer les lignes, demander à Dreyer et Thorgan d'être moins haut, et pourquoi pas jouer en 5-4-1. Mmh. Et laisser venir le Standard jusqu'aux 30 mètres, et à ce moment-là, profiter des espaces laissés par les Liégeois. Quand tu prends 3 buts en 9 minutes pour réagir. Non, à la mi-temps, Marc. Tu parles de la mi-temps. Tu changes déjà tout ça? C'était 0-2. À ce moment-là Il savait que la Furia allait arriver avec le stade qui suivait. Quoi. Donc, à un moment donné, tu te dis on ferme l'axe, c'est fini, terminé, voilà. Et on va partir en contre-attaque. Exactement. On n'a pas l'attaquant en ce moment-là pour partir en contre-attaque comme Dolberg. Dolberg n'est pas vraiment un attaquant de rupture. Non, c'est plutôt un point de fixation. D'accord avec Philippe ou autre idée? Parce que c'est facile à dire, évidemment, on est là le lundi soir. Nous, ici, on gagne tous les matchs. Voilà. Mais à 1-2. Benjamin, il faut se mettre à sa place aussi. Il rentre à mi-temps, c'est 0-2. Et l'équipe joue très bien. Pour lui, tout va très bien. Tu vas changer. Mais bon. Swan, réfléchis, je vois. Mais fatigué, Swan. Non, je suis en pleine forme. Il a 14 matchs de foot. Je suis en pleine forme. C'est ce que disait. Non, je sais que tu blagues. Mais non, c'est par rapport à ce que disait Phil. C'est vrai que c'est difficile de s'adapter pour un coach quand vous prenez 2 pions ou 3 pions en 9 minutes. Mais je ne suis pas sûr que sa réponse dans la foulée soit la bonne, par contre, après. Ouais, ça, on y viendra. Mais une chose à la fois, là, on est à 1-2. Et d'ailleurs, il y a un SMS que vous voulez envoyer à Riemer, c'est maintenant. C'est vrai? Ouais. Le message de la semaine, c'est Swan qui l'envoie. Voilà, c'est vous m'avez demandé d'écrire un SMS, donc voilà. Non, simplement, c'était par rapport à ce qui s'est passé. C'était pour rebondir sur Riemer, parce que moi, je reste persuadé qu'hier, l'excellente première mi-temps d'Anderlecht, elle tient plus de la qualité de ses joueurs que d'une très bonne équipe de foot. Tu parlais de Thorgan, Marc. Oui. Thorgan, il est 3 fois au-dessus de la mêlée, jusqu'à ce qu'il décline un petit peu physiquement, il est 3 fois au-dessus de la mêlée. T'as des joueurs comme Mats Ritz, comme Léonie, comme Sardella, qui a fait une très bonne première mi-temps, qui sont au-dessus. Mais je ne vois pas forcément un entraîneur qui met en place quelque chose qui m'intéresse. Cohérent. Qui m'intéresse moi. Après, c'est pas sa griffe encore. C'est que moi que ça regarde, mais je vois de très bons joueurs de foot, une bonne équipe de foot, mais... Ouais. Mais c'est des choix, hein, ça. C'est des choix, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que si tu as une équipe vraiment cohérente, tu ne désunis pas autant en deuxième mi-temps quand le Standard se réveille. Un entraînement punitif comme ce matin. Quand tu mets Ritz et Léonie en numéro 6, tu as deux gabarits qui ne sont pas dans la. Tu as ça et tu as une équipe qui, à part Dreyer sur la première période, joue quasiment tous dans le cœur du jeu. Dolberg, c'est un garçon qui aime bien toucher le ballon, qui aime bien décrocher. Si tu regardes là où les joueurs ont touché le ballon côté Anderlecht sur tout le match, à part Dreyer qui est, je ne sais pas si on voit, mais tout en haut à droite du terrain. Tu as un noyau de joueurs avec Stroikens, avec Léonie, avec tous ces joueurs-là, sont quasiment les uns sur les autres au milieu du terrain, parce que c'est des joueurs qui combinent très bien, on a vu pendant la séquence de passe de 40 minutes, mais il y a beaucoup de profils, un petit peu, où tu vas toucher le ballon, etc. Et si tu vas, on en parlait tout à l'heure, si tu vas prendre des coups et si tu vas être contre une équipe du Standard, il y a un moment, il faut proposer autre chose. Tu n'as pas un Nilsson là, qui te permet de balancer, d'aller chercher plus haut, par exemple? Oui, on viendra sur les... Ouais. Marc, un entraînement punitif comme ce matin à Anderlecht, ça marche ça? Non, ça ne marche pas. Parce
crois qu'il faut rester sur le plan qui se sont fixés. Après, tu veux faire une réunion, tu le fais après, tu laisses redescendre un petit peu tout le monde. Mais voilà, il peut changer de méthode. Bon, tu peux faire un entraînement, évidemment, mais il faut que ça soit productif et que ça apporte quelque chose vraiment. Voilà. Mais je trouve qu'Anderlecht a fait un bon match. Ouais. C'était un très bon match de championnat. C'était peut-être la meilleure mi-temps d'Anderlecht pour moi. Voilà, exactement. Il faut tout remettre dans le contexte. Pour moi, c'était un match qui m'a vraiment, spectateur neutre, plu beaucoup. Il y avait de l'intensité, il y avait des buts, des occasions. C'était propre. Voilà, comme dirait Philippe, peut-être dans l'impact un peu plus. Mais c'était un bon match de football de division 1 belge. Entraînement punitif. Bah, ça, c'est jamais bon. Hein. C'est jamais bon. Vous n'aimez pas, vous. Il a peut-être envie. Ben nous, c'était rare quand on en avait, puisque bon, on gagnait souvent les matchs. Mais non, il a peut-être envie de faire changer son image aussi, parce qu'il donne l'image de quelqu'un de très sympa, de très correct, de très proche de ses joueurs. Et là, il a peut-être senti qu'il fallait marquer le coup. Donc, mais c'est jamais bon. Mais t'as pas perdu un match depuis le mois de fin juillet. Ils sont tu perds à Sclessin, tu perds pas si t'es pas à Sclessin. A priori, le Classico, tu le perds pas si t'es à Anderlecht, hein, dans un match comme celui d'hier. Le stade a renversé le match. Ouais. Les joueurs, ils doivent devenir dingues. Moi, je comprends pas. Non, je comprends pas. On le dit nous ici, on n'est pas les seuls. Tout le monde dit qu'ils n'ont pas fait un mauvais match. Mmh. Ils ont perdu pied. Ouais. Voilà. Ouais, mais ok, mais il est autant responsable qu'eux. Ils ont chacun fait un moment presque parfait. Que lui vienne revoir le match et voilà, mais à un moment. Mais vous avez compris, Swan, et on va revenir j'espère sur le match. J'espère que vous m'avez compris, si on se dit que je fais mal mon travail. Vous avez compris. Vous n'avez pas forcément compris les changements de Brian Riemer. Trois changements très rapides, puis un assez vite aussi. Thorgan Hazard et Dreyer qui sortent, les deux meilleurs de la première mi-temps. Thorgan avait des crampes, donc c'était pas possible, il fallait changer. Swan, sur le contenu, justement, il n'y a plus eu une occasion après troisième but du standard, quasiment ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, ça c'est. Le match s'est fermé, on est rentré dans une chose finalement très classique de ce genre de match très important avec un Anderlecht qui a pressé beaucoup plus haut, qui a récupéré un petit peu le ballon plus vite et un standard qui, je pense que en fait, sur la deuxième mi-temps, ici on peut parler autant qu'on veut, on chercherait à expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène paranormal, c'est ce que les cinq qui s'est passé en seconde période, mais objectivement, oui, le temps s'est un petit peu arrêté sur la deuxième mi-temps parce que je trouve que Anderlecht a pas su trouver les. Ils ont été intéressants dans l'intensité, ils avaient envie de revenir, mais ils n'avaient pas les clés pour revenir. Il y a une chose qui a été bizarre quand il a changé et passé à deux attaquants. Moi, j'ai vu Léonie revenir décrocher entre les deux défenseurs centraux. Très bas pour l'Irlande. Qu'est-ce qu'il vient faire là, s'il te plaît? T'as deux joueurs qui savent jouer au football. Mais Vertonghen n'arrêtait pas de le renvoyer. Mais, voilà, hein, mais Fulcan, va devant. C'est là. Non, mais c'est là Vertonghen a dû lui dire plusieurs fois. C'est pas au milieu de terrain. Donc là, il fallait directement le repousser plus haut. Sinon, c'est pas la peine de mettre deux attaquants s'il y en a un qui recule. On avait l'impression que c'était un peu improvisé, le système à deux attaquants. Ouais, c'était improvisé parce que bon. Il n'y a pas eu de centre. Faire rentrer Amoudzou, il manquait d'espace puisque le standard était bien regroupé derrière. Ouais. Arnstadt n'y est pas du tout depuis des mois. Donc, Flips, mentalement, c'est dur. Le gars, il vient de perdre sa place. Il sait qu'il ne reprendra pas la place de Thorgan Hazard, par exemple. Il n'a rien à perdre, puisque il a tout à gagner. Mais bon, concernant Vázquez, si vous n'avez pas les débordements et les centres, il ne sert à rien. Donc voilà, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il a tenté le coup en espérant un coup de chance, finalement. Le standard de la deuxième mi-temps défensivement était complètement différent de la première. Ouais, regroupé comme il l'aime. Ils aiment bien. Et Dolberg a complètement disparu de la circulation. Je regardais ses stats après le troisième but du standard. On va revoir d'ailleurs bientôt les deux au troisième but du standard. 6 ballons touchés par l'attaquant danois après le troisième but du standard. 5 ballons immédiatement perdus dès la première ou deuxième touche de balle. Et un seul ballon dans le rectangle touché par Dolberg dans la dernière demi-heure. Et on le reverra dans la page arbitrage, c'est quand il est au sol et que le ballon lui arrive sur le dos, sur cette fameuse phase avec Zino Van Eusden. C'est le seul ballon touché par le Danois dans le rectangle. Bon, sinon, sur les deuxième et troisième buts, on en oublierait presque cela. Soit il y a eu un Marlon Fossey à qui on a ouvert la porte, et lui, quand on lui ouvre la porte, c'est de la dynamite. On voit ça. Ouais, complètement, il a été beaucoup plus présent parce que. Le standard était dans une position qui l'aimait plus et en effet il a profité pour arriver à déborder et à faire les bonnes courses. Mais après, Philippe le disait, la frappe de Kawabe, elle est belle. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est sa prise de balle. Après, je reste persuadé que Vertonghen doit être un peu plus proche de Kawabe sur la prise de balle. Il recule comme s'il voulait aller se mettre dans le but. Mm-hmm.
Je pense qu'il dit mon gardien, il va la voir, je couvre plus, à gauche. Plus tu vas te rapprocher du goal, plus tu vas, plus tu vas l'empêcher aussi de voir. Mais allez, d'accord, tu l'as plus près. Hein, après, oui, il faut On a un contre 1, il ne faut pas laisser Augustinsson. On a un contre 1 face à Fossé, là. Et le dégagement dans l'axe de Sardella, qui pourtant, je rejoins tout le monde ici, a fait pour moi un bon match. Un bon match. Mais voilà, ça, ce sont des. Ils sont jeunes, ils doivent apprendre de leurs erreurs. Sur le but avant, Stroikens n'a pas les réflexes défensifs non plus face à Fossé. Bon, voilà, et ensuite, il y a Ngoy là qui nous sort quelque chose de fantastique. Son premier but, il le met à ce moment-là. Après. Mais j'ai retenu ce que vous avez dit sur Schmeichel, pas d'erreur de Schmeichel. Mais on a l'impression quand même qu'il est assez passif sur tous ces buts-là. Il plonge quasiment pas, d'ailleurs, sur les trois buts, Philippe. Certains disent parfois un manque d'explosivité. Là, sur le coup, oui. Le but de Kawabe, un peu sur celui de Skobolsen contre Bruges. Ici, avec le but de Kawabe, on a parlé de l'exemple de d'Arnaud Baudard. Lui, il a des tournes et Schmeichel est incapable. Il a peut-être. Mm-hmm. Je me demande s'il n'a pas la vue un peu. Oui, mais il se met derrière Vertonghen, il peut justement lui-même se décaler un peu. Oui, aussi, peut-être aussi. Ouais. Normalement, si Yann ferme à gauche, il a tout le temps pour la prendre, lui. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y va pas, peut-être, Yann, tu vois. Il bloque ce côté-là. Je ne sais pas. En tout cas, pas tellement de réaction. Pas d'erreur manifeste, mais on l'a fait venir pour gagner des points. Pour l'instant, pas de clean sheet, beaucoup de buts encaissés. Et son jeu au pied hier n'était pas aussi bon qu'auparavant. Donc, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le grand Schmeichel de la grande époque de l'équipe nationale, Swan. Non, c'est sûr. Et je le disais à sa signature, c'était déjà pas le grand Schmeichel de la grande époque quand il était à Nice. Donc, je vois pas pourquoi ça redeviendrait. Enfin, ça reviendrait. Tu sens qu'il dégage une grosse personnalité. Ah, ça c'est sûr. Par contre, on faut être complet sur Schmeichel si on parle de ce qu'il a produit dans les cages. Il y a eu des relances au pied qui étaient magnifiques. Qui étaient bonnes aussi. Hein. Il a trouvé Sardella souvent, etc. Quelques-unes ratées aussi quand même. Voilà, à boire et à manger. Bah, sur les stats du match, pour voir, parce que c'est un match tellement fou avec une mi-temps pour l'un ou un quart d'heure pour l'un, un quart d'heure pour l'autre. Combien de tirs pour les deux équipes ? 13, 12 ou un peu. 15, 13 pour le standard. Combien de tirs cadrés ? Cadrés ou non cadrés ? Cadrés, voilà. Cadrés combien ? Cadré. 5, je pense. 5, pour, 8 pour le standard, 7 pour Anderlecht. Okay. Les corners, combien de corners ? Plus pour Anderlecht, en tout cas. 3 pour le standard, 8 pour Anderlecht. Les expected goals, les fameux. Plus pour Anderlecht aussi. Non, c'est standard qui a gagné. Tout juste. Ouais. Alors, ça varie selon les sociétés de stats. C'est bien pour dire aussi qu'il faut prendre tout ça avec un peu de recul. 1,59 pour le standard, 1,52 pour Anderlecht. Les duels, combien de pourcentage de duels gagnés ? Standard 70-30. Non, standard 56%, mais duel aérien, 66% de duel aérien gagné par le standard. Et ballon récupéré haut. C'est Anderlecht qui gagne 5-3. Voilà, c'est très très partagé. Ça reflète finalement ce match qui aurait pu partir dans un sens, qui est parti dans un sens, qui est parti dans l'autre. Nous, on part dans un autre sens. On va chez Lancelot, parce que j'imagine ça fait casser l'Internet, là, ce genre de match. Exactement. Ça fait... les standards ne répondent plus, mon cher Benjamin. Non, on a joué au même jeu que vous en studio, c'est-à-dire résumer le classico en un match. Alors, on a eu du magique, dingue, football, digne, duel, ferveur, passionnant, remontant. Montada, dur et vrai. Vous voyez qu'à la fois les supporters d'Anderlecht et du Standard se sont exprimés et parfois même souvent dans le respect. Alors quelques petits commentaires par-ci, par-là. Michael Wery qui nous dit dans le fond de jeu, Anderlecht était supérieur. Dans la concrétisation, le Standard a pratiquement fait du 100%. Anderlecht a perdu le match à lui seul. Vincent qui était assez d'accord avec vous. Vincent Van Acht, probablement un homonyme de notre gardien du côté du hockey. Brian Riemer a-t-il les capacités tactiques pour réagir en live à des situations délicates ? J'entendais Swan et Philippe qui en parlaient, ils posaient la question. Et puis François Bovier qui avait une chouette réflexion, qui disait « Enfin un classico, un vrai, où le jeu a été respecté, pas d'arrêt pour des fumigènes ou des gobelets, pas d'exclusion. Triste que ça ait débordé après, mais le match a été un grand spectacle. » Et ça, c'est évidemment le grand point positif, c'est qu'on s'est tous amusés devant ce match, peu importe le fanion. Bon, alors pour les commentaires sur l'arbitrage, je vais pas tous vous les transmettre parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une plainte du CSA sur le dos. Mais c'est sûr que là, on va encore beaucoup, beaucoup en discuter. Et en plateau, ils en discutent. Ben voilà, c'est l'heure maintenant d'accueillir Alexandre Boucau.
Ben oui, on voulait pas évacuer, mais expliquer d'une ou deux ou trois manières déjà différentes le résultat d'un match. Il y en a une autre encore, c'est de se plonger sur l'arbitrage. On va voir si ça a influencé dans un sens ou dans l'autre le match, n'est-ce pas, Alexandre ? Allons-y. Vous en avez arbitré des classicos ? Oui, deux. Et alors, on se réveille le matin quand on arbitre ce genre de match, comment, dans quel état d'esprit ? Quel matin ? Le jour même ou le lendemain ? Le jour même. Moi, le jour même, ça se passe relativement bien. Bon, c'est après que ça on est pressé de se lever. Voilà, il y a eu d'autres phases aussi dans les autres matchs. On va y venir. Mais la question est traditionnelle. Quand vous arrivez, quelle équipe a été la plus désavantagée ce week-end par des décisions d'arbitre ? Oh, peut-être Courtrai, mais okay. Qui ont finalement gagné. Voilà, effectivement, pas, trop grave. Pas si désavantagé que ça. Bon, c'est 0-2 pour le Sporting d'Anderlecht qui inscrit un troisième but. Pas grand monde ne réclame, même si Alzate, si je vois bien, un tout petit début, mouvement au début, mais après, il râle plus. Et puis le VAR appelle monsieur Lardo pour ceci, Alexandre. Et donc, on est suspendu à vos lèvres. On veut votre avis. Fallait-il appeler monsieur Lardo ? Fallait-il annuler le but de Dreyer pour la main de Léonie qui existe bien ? Oui. Alors, je pense que c'est le jour ou jamais de sortir la règle et de la lire rapidement et dire qu'il y a faute si un joueur touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. Alors, voilà d'abord la règle sur la main. Donc vous avez tous suivi, j'espère. Très bien, hein, très bien. Mais je pense qu'ici, on peut confirmer qu'on a augmenté artificiellement, que Léonie a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. On peut la revoir hein, et montrer d'ailleurs qu'attention, c'est important de le signaler, c'est d'abord la main, puis la cuisse, et pas l'inverse. Qui se passe. Il touche d'abord la main, et puis après il emmène parce le ballon. Il fait le geste après on est dans l'explication. Allez, continuez de parler pendant ce temps-là. Non, mais donc, voilà, pour celle-là, pour moi, c'est une intervention correcte du VAR. De plus, on veut des goals propres. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas non plus. Et si vous n'annulez pas ce goal, vous avez une polémique dans l'autre camp. Parce qu'on va dire, bah, juste avant de faire l'assist, il contrôle de la main. Donc, c'est pour moi une décision correcte. Ouais, donc c'est clair et évident. Donc, le VAR devait intervenir. On n'est pas dans la zone grise. On n'est pas là sur la zone grise. Je crois que le bras est suffisamment écarté. Marc ? D'accord. Et moi, je vois qu'Alzate fait une grosse connerie, déjà en faisant le contrôle vers son but, et qui veut, il se fait prendre au pressing. Donc, c'est plutôt la balle qui va au bras. Et c'est une action dans le sens du jeu, je parle. Mm-hmm. C'est une belle récupération qui passe, tu vois. Ça, c'est l'esprit du footballeur qui passe. C'est pour ça que ça vous fait sourire, Alex. Il y a le bel esprit, mais il y a l'arrêt que vous venez de. Oui, parce qu'il y a trois semaines, il m'a déjà eu avec l'esprit du footballeur. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas trop suivi l'esprit du Non, je rejoins le règlement à ce niveau-là. C'est bien d'avoir annulé. Bah, je vais faire une passe D à monsieur l'arbitre. Moi, je le rejoins là-dessus, mais du coup, je le rejoins pas sur ce qui s'est passé après. Ok, et ça s'est passé quoi après ? Il y a la main de monsieur N'Goy. Peut-être une main d'N'Goy. Est-ce qu'il y avait une main d'Alzate ? Parce que vous pouvez faire confiance à tous les supporters, les amis des amis des supporters. On m'envoie des messages, des mails dans tous les côtés des deux camps, d'ailleurs, pour essayer d'influencer le contenu de l'émission. Ben nous, avec Thomas Van Linden et André Gillis, Joël Maskowski, Eric Berger, les journalistes et les monteurs, ils ont vraiment arrêté image par image pour essayer de voir ce qui s'est passé. On nous a envoyé des photos pour dire « Regardez, Alzate contrôle le ballon de la main sur le but. » Mais parfois, il y a des effets d'optique. Alors, est-ce qu'ici, Alzate touche le ballon de la main ? Bah, écoutez, moi, sur les images que j'ai vues, sur ce que vous m'avez envoyé, etc., j'ai vu à aucun moment le ballon frapper sa main. Néanmoins... Regardez ici, c'est l'angle le plus clair. Non, ah ben, non. Mais il n'a pas touché la main, non. Eh ben non. Donc voilà. Néanmoins, je poursuis. Oui. S'il avait marqué un but directement de la main ou du bras, bah, même de manière accidentelle, évidemment... C'est pas goal. Et s'il marque un but immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle, donc là, même s'il avait eu les mains sur le corps, le long de bras. Il n'y a plus d'interprétation là à ce moment-là. Il n'y a plus d'interprétation. C'est annulé. Et c'est pour ça aussi que quand je lis ou que j'entends, oui, mais deux poids, deux mesures, on a des phases similaires avec des jugements différents. Bon, premièrement, là, il ne l'a pas touché sur celle-là. Mm-hmm. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas non plus toujours comparer. Une main défensive d'une main offensive parce que de toute façon au terme du règlement elles ne sont déjà pas
équivalente. Voilà, exactement. On rappelle, donc pour être tout à fait clair, il faut interpréter dans quasiment toutes les situations pour voir si c'est une position naturelle, s'il y a un aspect volontaire aussi au geste pour siffler main, sauf dans un cas précis, si on marque de la main, n'importe comment, c'est annulé, ou si immédiatement après le contrôle de la main, on marque. Ça aurait été le cas d'Alzate, c'est peut-être le cas de Nathan Ngoy. Et là aussi, merci à toute l'équipe. Bah, on a essayé de ralentir, d'être le plus clair possible. Alors, vous ferez votre avis, vous avez le droit encore de ne pas être d'accord avec ce qui va être dit ici. Mais nous, on vous propose des images et tout le monde après pourra juger. Alex, ici, est-ce qu'il ne touche pas le ballon quand même un petit peu du biceps et de la poitrine? Pas facile sous cet angle-là, enfin en tout cas alors, avec cette vitesse-là. Deux choses. Un, c'est pas super clair. Regardez, hop, là, on a arrêté l'image. Ouais, alors il faudrait aller voir à quel endroit. Néanmoins, je vais quand même vous dire que afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l'aisselle. Alors, est-ce que, sans compter que quand vous zoomez au niveau VAR, etc., vous perdez de la qualité d'image, vous avez beaucoup de pixelisation, je pense pas qu'on a... C'est pas assez clair. Bah, si vous comparez avec Léonie, où c'est très clair, c'est pas ici super clair. Donc maintenant, ballon a tapé... Pour moi, dans la vitesse, il la prend ici. Au coude. Voilà. S'il prend là, et même si ça touche une portion du bras, bon, bah, généralement, et dans les pictos qui sont utilisés par les lois du jeu, on estime que l'aisselle, ça va presque jusqu'à... Allez, bas d'une manche de courte de t-shirt. Donc voilà, après, pour moi, là, c'est pas clair. Merci, monsieur le prof de biologie. mais voilà, parce que je disais, tout le monde a le droit d'avoir son avis. Pour Marc, pour Alex, c'est pas suffisamment clair. L'image ne montre pas assez pour Comme je vois, il contrôle la poitrine. Pour Marc, c'est la poitrine. Pour si j'avais eu un prof de bio comme cela, j'aurais peut-être terminé mes rénovés. Hein. Donc, franchement, non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, il y a le jury central, hein, c'est pas fini. Swan, vous disiez tout à l'heure, peut-être Manengoy. Après, on est d'accord, Alexandre, que vous n'avez pas dans le VAR les images de la qualité qu'on vient de voir là. Le zoom. Cette caméra, on l'a, mais je dois avouer que quand on zoome en fonction des distances, eh ben, on n'a parfois pas une aussi bonne qualité que ce qui est là. Et si vous perdez au niveau qualité et que vous avez quelque chose de douteux, imaginez le gars qui est devant l'écran, qui a quelque chose de douteux. S'il envoie ça au gars qui est au bord du terrain, il va mettre du doute dans le doute. Mm-hmm. Ouais. Alors, c'est fini. On perd les avantages du système. Parce que pour vous répondre, hier, quand l'action était diffusée en live, il y avait une caméra qui était plus face à Nathan Ngoy. Mm-hmm. Et j'avais l'impression qu'il y avait main, franchement. Mais là, sur l'image quand qu'on voit... Quand tu l'as derrière le but, ouais. C'est la différence. C'est ça la différence. Donc personne ne semble, en tout cas pas pour que le VAR appelle. Et là, pour M. Lardo, c'est impossible à voir à cette vitesse-là. D'ailleurs, nous, on est en train de discuter sur le zoom d'un ralenti, lui-même ralenti, hein, pour vous dire comme c'est difficile. Cécile. À l'esprit du jeu. Merci, il a bon dos. L'esprit du jeu. Non, je ne pense pas qu'il y ait ça. C'est clair, en tout cas, avec le règlement. Et évidemment, on en est où, là, dans toutes ces discussions? On est à Hayden aussi. Autre ballon qui touche le bras dans le rectangle. Je pense que c'est De Bast qui réclame un pénalty. Alex. Eh bien, il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Je trouve que dans ce cas-là, non. Qui est dans une position tout à fait naturelle. Et l'autre jour, on parlait d'angle, hein, où je vous disais à partir de quel moment on pourrait estimer qu'on a un bras qui augmente la surface corporelle. Et je vous disais à partir du moment où un ballon pourrait passer entre son bras. Et je reprends le même principe. Si vous prenez Léonie qui a ses bras comme ça, un ballon pourrait passer entre le bras et son buste. Oui. Ici, un ballon ne peut pas passer entre son bras et son buste. Donc, et c'est pour ça aussi que je dis, on ne peut pas comparer des phases offensives avec des phases défensives, puisque un goal qui serait marqué après une main le long du corps serait puni. Retenez bien l'image de De Bast, hein, qui fait des signes. Ouais. Retenez bien. Par la suite, ça aura son importance aussi. C'est-à-dire ? On verra par la suite. Suspense de Philippe. Arrive tout à l'heure. Ok, Philippe. Donc, pas de pénalty pour personne, là, non plus. Le règlement est suffisamment clair. L'interprétation aussi qu'en fait Alex nous semble le clair. Et puis après, il y a cette phase dans le rectangle. Je disais tout à l'heure, le seul ballon touché par Dolberg en deuxième mi-temps dans le rectangle du standard, c'est celui-ci. Faute ou pas, pénalty
ou pas pour le Sporting d'Anderlecht. Suivez bien. Voilà. Pénalty. Et intervention du VAR. Il y a zéro raison de ne pas siffler. Les instructions de l'UEFA disent que... Je la remets pendant qu'on parle. Si un défenseur se sert de ses deux bras et que ça a un impact sur l'action de l'attaquant, une intervention du VAR est attendue. Van Usden ne s'occupe à aucun moment du ballon. Il s'occupe que de l'attaquant. C'est un genre de plaquage en règle. Et pour justifier, parce qu'on avait aussi parlé que parfois on pouvait être un peu plus tolérant si le ballon n'était pas jouable, passer 10 mètres au-dessus. Mais ici, à partir du moment où le ballon lui tape le dos quand il est par terre, ça veut dire que le ballon, bah, il venait bien chez lui. Et donc voilà, si l'arbitre ne le siffle pas en live, le VAR devait... Comment le VAR ? Aucune. Selon nos informations, au bout de deux secondes, si nos informations sont bonnes, on a dit à M. Lardo, check over, c'est bon, ça joue. Aucune rouspétance de la part de Dolberg. J'en reviens à De Bast, qui lui fait des signes, oui, etc. Non, ici à Tubis, moi je suis désolé, ils parviennent à avoir une faute de main au milieu, ouais, de terrain qui est logique. Et ici, c'est une faute professionnelle pour moi. Mm-hmm. C'est absolument incroyable. Plus clair que ça, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment chiant parce que ça nous a empêchés de parler de foot sur un match, vous l'avez rappelé, les garçons on et les filles. Irrémédiablement, quand vous êtes supporter, dans des matchs aussi importants qu'un classico, vous voyez ça. Vous devenez... Pour moi, il y a pénalty. On est frustré. Il y a pénalty. C'est pas de la frustration, Marc. Si tu te mets dans le truc, dans la tête du supporter, même si t'es un supporter qui connaît hyper bien le foot, qui a un avis tactique pointilleux, etc., tu vois ça, tu jettes ton verre et tu perds un peu la raison parce, ouais, qu'il y a pénalty, d'une. Et de deux, ça t'empêche d'avoir une vision globale du match parce que tu te sens frustré. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Là, il y a pénalty pour moi. Voilà, j'ai eu, je disais, beaucoup de messages dans un sens et dans l'autre. Certains disaient, la première faute, c'est Dolberg. On va la mettre une dernière fois. Est-ce que vous voyez une première faute de Dolberg avant celle de Van Usden ? Regardez. Écoute, il fait typiquement le geste d'attaquant d'abord. Il fait un contre-appel, il essaye de se libérer, de se faire un espace, et c'est Van Usden qui l'attrape. Donc il n'y a absolument rien. Donc c'est la faute de Van Usden ? Totalement. Et Van Usden le sait qu'il est faute parce qu'il enlève les bras au moment où Dolberg tombe. Parce qu'il ne veut pas que. On parlait de naïveté. Je vais revenir sur un détail. En Italie, ça se passe tout le temps. Hein. Ouais. Donc, il a été en Italie, on lui a appris ça. Voilà, de toujours vraiment prendre le joueur et puis de le lâcher au bon moment. Ouais. C'est exactement ça. Vous êtes un supporter du Standard en public, pénalty, oui, ou pas pénalty? Pas de pénalty? Pourquoi? Parce qu'il est d'accord. Et ça, c'est une excellente. Et à la maison, on vous dira, il y a pénalty parce que je suis supporter d'Anderlecht. Voilà. J'en revenais à la naïveté tout à l'heure. Dolberg est trop gentil. Il doit se relever, faire des grands signes. Et là, Van Driche, là, ah non, il ne va pas checker over après deux secondes. Hein. Là, il va regarder la phase correctement et il va donner pénalty. C'est l'influence. Avant d'aller chez Lancelot, regardez le pénalty qui a été donné à OHL quasiment au même moment. Le match avait déjà démarré. Et c'est en première mi-temps. Donc, regardez, voilà. C'est moins grave. Est donné, Alex. C'est quoi, il y a une différence ou pas? Il n'y a pas beaucoup de différence, sauf que là, il a été pris à juste titre. Il y a la course et le tirage de maillot qui est un peu différent. Et c'est la même chose. Il y a un tirage clair, on utilise les deux mains, un impact évident sur l'action de l'attaquant, sinon le ballon vient chez lui. Donc en termes de cohérence, d'uniformité, au niveau de l'arbitrage, tu ne peux pas non plus, à 60 km de distance, à la même heure, avoir ces deux trucs-là. Je me retourne vers le même supporter. Penalty là ou pas? Mais oui, mais nous, ça ne nous dérange pas la mauvaise foi quand elle est assumée comme ça. On vous remercie d'avoir joué le jeu aussi, évidemment. Mais Lancelot, ça parle beaucoup de ça, évidemment, j'imagine, devant vos écrans. Oh, eh bien oui, ça en parle beaucoup, mais je dois dire d'abord dans un premier temps beaucoup de remerciements à Alexandre Boucou pour ses explications très claires. On nous a dit plusieurs fois très bien cette séance d'arbitrage. Donc, merci à Alexandre Boucou. Mathieu nous dit que Van Usden voulait faire un hommage à l'actuelle Coupe du Monde de rugby. C'est donc un plaquage, donc pénalty pour le Sporting d'Anderlecht. Et puis alors, il y a beaucoup de commentaires aussi, mais depuis le début de l'émission, par rapport à la désignation de Jonathan Lardo comme arbitre de cette rencontre, alors qu'il est liégeois, on sait que c'est un vieil argument qui ressort souvent. Alors moi, j'avais envie de poser la question à Alexandre Boucou aussi, qui a été confronté à ce genre de situation quand il arbitrait Moucron. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on peut détruire cet argument ou comment est-ce qu'on y fait face? Bonne question. Premièrement, il est issu de la province de Liège, mais il habite quand même à quelques kilomètres.
là où personnellement, ben, j'habitais Moucron. Mmh. Super ville. Hein, que j'ai quitté. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où s'il faut exclure chaque arbitre d'une province, des équipes qui appartiennent à cette province, on le fait. Ça se fait généralement en coupe dans les tours finaux, donc en quart, en demi, en finale. Souvent, ça fonctionnait comme ça. Mais en championnat, ce n'est pas tenable. Et puis, deuxièmement, ben, c'est pour l'instant... un des meilleurs, si pas le meilleur. Oui. Donc, alors, c'est pas tellement pour les accuser de quoi que ce soit, c'est pour parfois les protéger, éviter ce genre de débat qui pourrissent après les après-matchs. Ouais, après, voilà, moi, je pense que ce serait dommage de s'en passer. Personnellement, Alexandre, excusez-moi, mais moi, j'en veux pas à M. Lardot pour la faute devant Neusden. Lui, suit le ballon. Ah non. Mmh. Moi, c'est à Tubize. C'est à Tubize. D'ailleurs, M. Lardot, aujourd'hui, devant les caméras de Eleven Dazo, dans une review, a dit « Si on m'avait appelé, pour cette phase-là, j'aurais sifflé penalty. » Bien sûr. Mais il ne peut pas l'avoir. C'est vrai qu'il a son regard qui va... Le ballon, mais le centre n'est pas encore venu à ce moment-là. Exact. Quelle personnalité il a ? C'est le moment de nous décrire un petit peu Jonathan Lardot. Eh bien, j'ai vraiment bien aimé hier, franchement. Moi aussi. Parce qu'on avait Marcel un classico. Aussi, comme ça je le dis. Oui. On avait un classico, il y avait de l'intensité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu du jeu, il y a eu du spectacle. Il y a eu une belle soirée de football, il y a contribué. En deuxième mi-temps, il y a eu des retours à la faute, des avantages, retours à la faute qui étaient impeccables. Mmh. Il a tenu ses cartes durant toute la première mi-temps. Je me souviens d'un tac sur Fossi, avec beaucoup de spectacle, mais qui était tout à fait gérable. Il l'a fait sans carton, il a sorti les cartes en deuxième mi-temps quand il fallait, quand vous étiez dans votre fauteuil et que vous disiez bah, « ça c'est jaune », elle sortait. Donc voilà, et là où hein, on parlait du petit sourire et que parfois, malgré tout, c'est pas grave, il m'en voudra pas, son petit sourire peut m'énerver, peut-être irriter. Pas le vôtre à l'époque. Mais hier, il s'est super bien adapté au contexte et il a plutôt montré les dents et il a laissé son petit sourire en poche et il a fait preuve de rigueur, de courage, de fermeté, peut-être plus qu'à l'habitude. Et donc, franchement, en termes de gestion du match, j'ai trouvé tout bon. Et il aime beaucoup le nom Boucaud d'enfer, petite confidence. Alex, d'accord avec Alex sur la gestion du match de Jonathan Lardot, qui est en fait mis en lumière aujourd'hui, mais c'est plutôt le VAR en fait, qui a pris les décisions hier. Ouais, je suis 100% d'accord. Et par contre, est-ce que c'est lui qui doit venir s'en expliquer devant tout le monde? C'est et... pas Monsieur Van Driess qui aurait dû aujourd'hui s'expliquer pourquoi il n'a pas appelé. Quelle personnalité il a justement? Est-ce que justement. Bah, en fonction de qui est devant le VAR et qui est sur le terrain, il ne peut pas y avoir parfois un peu de brouille, mais de concurrence entre les rivalité. Arbitres. Sortons le nom, de concurrence. Bien sûr qu'il y a de la concurrence, parce que peut-être que celui qui est devant l'écran espérait 10 jours avant être sur le terrain. Hein, ça, c'est déjà une chose. C'est de la compète, l'arbitrage. C'est un sport individuel. Ouais. Donc voilà, après, vous avez des personnalités différentes, avec des perceptions différentes. Et bon, parfois un contexte mental. J'ai pu aussi voir, bon, ben, Bram a eu un match international avec une situation justement VAR qu'il n'a pas jugé, devant l'écran. Est-ce que ça le... Hein, le travail. Ça travaille aussi, une fois que lui se remet dans le rôle. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais c'est clair que entre les personnes, bon, voilà, ils essayent de gérer pour mettre le bon homme à la bonne place, hein, que ce soit au niveau du terrain. Mais c'est intéressant quand même d'entendre de la vidéo. Ah oui, ça c'est très intéressant, surtout qu'il lui fâche peut-être un croche-pied pour que l'autre se fasse une erreur. Et quand j'entends la concurrence qu'il y a, ben, c'est dramatique. C'est compliqué à travailler. C'est pas toujours un vrai travail d'équipe magnifique. Voilà, ça doit être un travail d'équipe. Voilà, sans être hypocrite, c'est pas toujours. Bah, attention, chacun doit prendre les meilleures décisions possibles dans le rôle qui lui est attribué, évidemment. Enfin, j'ai jamais vécu particulièrement de manœuvre de sabotage. Mais en tout cas, il est clair qu'entre les gars, bah oui, entre les gars, vous avez des personnalités qui sont souvent des personnalités fortes, des égos, il y a de la compète, il y a des enjeux. Qui n'arrive jamais dans le monde de la télé. Ça n'arrive jamais dans la télé, jamais dans le monde de l'entreprise, jamais dans les médias. Il n'y a que là. Exactement. Bon, Alex, par rapport à ça, si quelqu'un veut réagir, c'est maintenant, parce que sinon on va avancer dans toutes les autres phases, parce que c'est quasiment un boulot à temps plein aujourd'hui, cette page arbitrage, avec des histoires de mains toujours, à Charleroi notamment, pour le premier pénalty. Est-ce qu'il se justifie pour vous?
Bah écoutez, j'ai essayé de repasser ça image par image. Voilà, je sais pas, je vois pas. Est-ce que sa main est... Je me demande si c'est pas finalement son bras gauche qui le touche, mais... Donc, vous n'êtes pas convaincu ici, voilà, de nouveau, voilà, ah, ici. Voilà. Voilà. Oui, ok. Ouais. Penalty. Penalty. Donc vous savez, quand on zoome nous-mêmes dans les images, parfois c'est plus clair. Je peux juste dire un truc, parce que je l'ai relevé avec Alex avant l'émission, mais moi ce qui m'embête plus dans cette phase-là, c'est le fait que c'est Koulibaly, je pense, qui sort, qui ne peut pas aller mettre la pression sur le joueur, parce que l'arbitre est dans le chemin. Ah oui, on peut revoir ça, c'est intéressant. La position de l'arbitre, est-ce qu'elle est bonne là? Merci Cécile pour votre coup d'œil. Mais je me dis, si ça à chaque fois que cette phase passait samedi. Désolé Franck pour le retard, mais bon, c'est intéressant ce que dit Cécile. Donc la position de l'arbitre est-elle bonne? Est-ce que ça ne gêne pas? Ici. Non, je ne crois pas. Il ne sait pas aller à la balle. Il va le cogner, c'est le joueur de. Oui, oui, non, ok, mais il est dans le chemin. C'est ce que dit Cécile. Il ne peut pas défendre à cause de ça. On est sur corner et il est un peu trop axial pour un. Il est en position un peu trop axiale pour un corner. Il devrait être plus vers la gauche, de la diagonale, pour justement pas gêner la sortie, l'axe du terrain. Donc c'était très pertinent. Cette frappe doit jamais arriver, quoi. Ouais. D'ailleurs, De Ruyrold est devant lui, donc c'est un mauvais réflexe qu'il a. Mais pour moi, c'est pénalty aussi. Voilà, pénalty, mais beaucoup d'œil de Cécile par rapport à ça. La différence avec la main de Genk, ici, qu'on va voir maintenant, même genre de situation, mais ici, pas de pénalty, pas d'intervention du VAR. À 1-0 hier, Swan, vous y étiez. Tout à fait. C'est Arteaga, je crois. Arteaga, effectivement. Ouais. Il touche son bras, c'est marrant, il a le réflexe directement de se frotter le bras. Ça pique encore un peu. Ouais, ben, il fait vrai. Écoutez, il saute de manière non naturelle. C'est différent. Pour éviter la main. Hein. Oui. Vous avez vraiment l'impression qu'il a peur de toucher de la main. C'est pas normal de sauter comme ça. C'est vrai. Mais finalement, c'est bien parce que ça évite. Enfin, Marc, c'est toi le spécialiste, hein, pas moi. Là, je suis d'accord. Ah, voilà. Marc, pour les plus anciens, le gars, c'était spécialiste des sauts. Mais sauter comme ça pour défendre. Tu vas faire passer pour un bourrin pour finir. Non, évidemment. Sauter comme ça pour défendre, c'est pas normal ni naturel. Non. Mais donc, bien arbitré. Bah, bien arbitré. Et franchement, du joueur, c'est chapeau pour avoir la lucidité d'agir comme ça. On repasse sur le deuxième pénalty de Charleroi maintenant, le but décisif finalement, le tacle de Balikwisha, est-il fautif? Il n'avait pas l'air de râler en tout cas lui. Mais après, il a essayé de dire quand même non, je ne le touche pas. Donc, à boire et à manger, à nouveau. Bah pour moi, il y a un contact du pied hein, et il va le toucher. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Voilà, là, avec son pied gauche, il va à mon avis toucher au-dessus de sa cheville. De toute façon, parfois, vous devez aussi vous dire que pour qu'il ait un comportement comme ça, le comportement du joueur de Charleroi ici, là, n'est pas normal ni naturel sans contact. Donc, il n'y a pas de simulation. Vous ne pouvez pas simuler en faisant un semblant de shot raté. C'est donc pas c'est possible, parfois aussi de la déduction, l'arbitrage. Donc parfois, c'est du feeling. C'est du feeling. Et là, tu dis, bon, bah ouais, je le prends. Et si vraiment je me suis planté, bah, Bram va intervenir. Bon, il n'est pas sur tous les matchs. Je pense que, pour le coup, dans ce genre d'action, il n'y a pas un moment où Mbenza ne touche pas le ballon si Balikwisha ne lui fait pas faute dessus. C'est ça, c'est ce que vient de dire. C'est au but, il commence à frapper. C'est ça. Enfin, c'est qu'à frapper, à mettre la balle au fond. Ouais, vous dites toute la même chose, donc si on peut avancer. Je peux partir, si vous voulez. Autant le premier flagrant, autant celui-ci. Moi, pas d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que Balikwisha fait un signe à l'arbitre à un moment donné, il faut quand même aller regarder. Lui sait que. Ça, il le dit toujours. Non. Il fait pénaux, il le sait. Non, mais c'est un attaquant qui est correct. Moi je suis. Autant le premier, oui, autant celui-ci, je suis un peu perplexe. Oui. Mais d'un on d'un peut le côté, c'est pas suffisamment clair pour voilà, rappeler. Exactement, pour voilà, exactement. Tu as dit, Philippe, c'est quoi? C'est un quoi qui est correct? C'est un attaquant. Un attaquant. Et un attaquant, c'est pas fait pour défendre. Ah, voilà, ça aussi, bah, voilà la réplique. Bah, Marc était pas mal dans ce rôle-là. Il y en a. Il y a des exceptions. Il y a même un défenseur qui s'est attaqué. Qui s'en va attaquer. Oh là là, c'est incroyable. Ce plateau est magnifique. Les deux entraîneurs ont été exclus, là. C'est assez spécial, ça, quand même, en quelques instants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je saurais pas vous le dire. Par contre, tout ce que je vois, c'est que Felice Majou a très bien préparé le travail pour l'exclusion de son confrère de l'autre banc, parce qu'il a beaucoup parlé de ce qui se passait de l'autre côté, où on ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Apparemment, ça s'est... Visiblement, Mazou a fait la même chose que ce que venait de faire Van Bommel ou en première mi-temps, pour dire, ben voilà ce qu'on peut faire visiblement. Lui s'est fait exclu, et il a dit, ben voilà, moi j'ai juste fait ce que mon confrère avait fait, et puis quelques instants plus tard... Étant sur place, c'était très chaud depuis le début, et à un moment donné, pour pouvoir faire rentrer un joueur, il y a un Anversois qui a
joué vers l'avant et qui a sorti le ballon. Et Charleroi n'a pas rendu le ballon à ce moment-là. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils ne l'ont pas fait, donc ça a commencé à chauffer à cause de ça. Voilà, il n'y avait pas moyen de gérer ça différemment que deux rouges, hein, non? Il y a toujours moyen, maintenant il faut évidemment voir jusqu'à quel niveau ça... On n'a pas tout entendu, non plus dans les on n'a pas tout entendu. Les mots. Et puis il y a aussi, je ne sais plus qui était le quatrième. Bon, parfois, quand vous avez des... On a déjà parlé, si vous avez des quatrièmes plus jeunes qui sont nouveaux en 1B, etc. Bon, bah, ils ne prennent pas trop de risques et ils préfèrent être plus... grave les choses, oui. Plus répressifs parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience de traiter avec ces gars-là et de pouvoir avoir la répartie et les comportements et les dialogues qui permettent de calmer le jeu. Un match avec succès pour les deux. Un match voilà, donc c'est bien la preuve que ce n'était pas non plus apparemment très grave. Mais juste Felice, sur son banc, derrière son banc, ça, tout le monde, oui. Tout le monde ça va, on trouve ça normal. Il est exclu, mais il est sur son banc. Enfin, je veux dire, il a sa tête sur son banc. J'ai vu ça en voyant les images, mais ça, c'est toujours... ça fait partie du spectacle, du folklore. Il a le droit d'être là ou pas? Non, en principe, quand vous êtes exclu de zone neutre, vous allez vous asseoir dans les loges au-dessus. Suffisamment haut, une petite coupe, que pour ne plus avoir de contact avec les bancs, sinon ça n'a aucun effet. Et voir le gars qui est juste à côté de son banc, à côté, excusez-moi, mais c'est purement risible. Voilà, je crois que rien que pour ça, il faudrait mettre une semaine ferme, mais bon. Bon, Simon Mignolet a pris une carte jaune. Beaucoup disaient que c'était une rouge. Ça, à votre avis, là-dessus. Sortie kamikaze. Ok, il est couvert, un peu. Et il le démonte, là. Il touche le pas geste, juste le geste pourrait mériter la rouge. Si ça, c'est pas rouge. Hey, on aimerait avoir l'avis de monsieur l'arbitre, d'abord. Et puis ah bon. Mais je l'influence. Ah, il se tait pour une fois, monsieur. Donc, voilà, ils vont tous les deux pour le ballon. Alors, est-ce qu'il y avait hors-jeu? Ça, c'est une question qui aurait mérité d'être... J'ai essayé, mais je pense que le gars qui est dans l'axe... Oh, c'est possible. Ouvre. Bref. Alors, il y a deux choses. Soit vous jugez que c'est deux choses différentes. Que la faute en tant que telle est une faute grossière. Et donc, vous mettez rouge. Sur base de ce que je vois, je crois qu'ils vont tous les deux au ballon. Mignolet va, et j'ai fait arrêt par image, arrive juste en retard. Il n'est pas non plus avec ses stuts et la jambe tendue. Donc c'est spectaculaire, mais sur ce côté-là, voilà, on peut discuter. Attention, s'il met rouge, que ce soit pour la première ou la deuxième raison que je vais évoquer, il n'y a aucun souci. La deuxième possibilité, ce n'est pas la faute grossière, c'est l'occasion nette de but. On peut la remontrer comme ça. Et elle est très difficile et l'idéal, c'est de prendre la caméra à 16 mètres, qui est à hauteur du rectangle, et de faire un arrêt sur image, parce que c'est ça que le VAR va faire. Il va faire un arrêt sur image. Stop. Voilà. Pour voir deux choses. Est-ce qu'un défenseur peut encore intervenir? Et deuxièmement, est-ce que l'attaquant a le contrôle du ballon que pour le récupérer? Alors, il y a des défenseurs juste à côté. Le ballon est dans les airs, pour moi, il n'y a pas un contrôle total du ballon. Donc, ma conclusion, c'est j'aurais tout à fait approuvé et aimé, et sans doute mis moi-même, une carte rouge sur le terrain. Néanmoins, il n'y a pas de raison pour le VAR d'intervenir, parce qu'il n'y a ni une preuve de faute grossière, même si c'est spectaculaire, ni tous les éléments pour dire c'est une occasion nette de but, puisqu'on a les défenseurs à côté. Néanmoins, on retiendra que pour tous les arbitres, en activité, en herbe et à devenir. Quand un gardien sort de sa surface et chope l'attaquant, mettez la rouge et tout le monde le comprend. C'est la deuxième, non, c'est la deuxième, c'est le tout début du match. Hein. Ouais. C'est la, genre la première action. Ça joue, obligé, ça joue. Est-ce que ça joue. Est-ce que le fait que ce soit Simon Mignolet, voilà, le fait que ce soit Mignolet, ça joue aussi. Si le gardien est de court trait, fait la même. Ah ouais, aussi. Voilà, c'est Mignolet, c'est un diable rouge ou un ancien diable rouge. Est-ce que inconsciemment, ça joue parfois aussi dans la tête des arbitres? Et c'est Bruges. Ça s'appelle le courage. Non, mais c'est vrai, mais ça joue ou pas? Peut-être. Ouais. Vous vous souvenez d'Hervé Coffier en Anderlecht? Ouais. Est-ce que la vidéo est intervenue? Non. Pourquoi intervenir ici? Voilà. Ouais, mais ça, on a bien compris que la vidéo ne devait pas intervenir. Avec Coffier à Anderlecht, elle devait intervenir, elle n'est pas intervenue. Donc. Tout le monde est d'accord avec l'analyse? Donc tout le monde, oui, rouge, ok, mais le VAR ne devait pas intervenir. On a bien vu la situation. Merci pour les explications. Le pénalty de Bruges? Celui-là, c'est une chose que je n'ai pas compris.
Et là, j'ai presque enfin, je pense que si, enfin, je sais pas moi. Et faute si pour Courtrai. Si je suis VAR, j'appelle l'arbitre pour faire annuler son pénalty et donner une faute dans l'autre sens. Oui. Finalement, parfois, les arbitres sont sauvés par le fait que le pénalty soit raté dans la foulée. On en parle un peu moins, ça influence moins le résultat. Ouais. C'est ça que Glenn De Boeck était très fâché à la mi-temps. A directement été voir l'arbitre parce qu'il voulait avoir une exclusion. Évidemment, ça change évidemment tout. Et puis, se passe ça. Heureusement, bon, il y a une justice qui tape au-dessus. Et Courtrai gagne le match, quoi. C'était important pour Courtrai. Oui, évidemment, il faut bien une dernière phase, hein, après 40 minutes de démonstration. Alex. C'est une surprise. Oui, la rouge de Gand. Fort contesté par Hein Van Azebroek. Votre avis là-dessus? C'est vrai qu'en live, on se dit, ok, rouge. Et il est dessus, l'arbitre. Écoutez, l'arbitre est très bien mis. Alors, il y a deux choses. Il y a le début, qui est fort problématique pour moi, c'est que le gars va se jeter, il va faire un tacle, sauter, en balançant ses deux jambes en avant. Il a juste de la chance qu'en termes d'impact, il était au niveau du sol, et il n'est pas rentré dans les tibias. Il n'a pas mis la semelle en avant, c'est plutôt la pointe du pied. Néanmoins, la façon de se jeter, c'est bon. Ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas du tout. Et au moins, en termes de message, ça permet de dire, écoutez les gars, vous ne lancez pas comme des fous n'importe quoi. Marc a l'impression que c'est sévère ou pas? Ça va. Il n'a rien dit. Si Marc ne dit rien. Non, si, il a fait le geste comme Hein Van Azebroek qui mimait des deux pieds qui glissent en dessous en disant mais il ne met pas comme ça. Non, il ne met pas comme ça. Il y va, il se retient encore un peu, mais bon, là, il se lance bêtement. Donc après, bon, c'est pas. On va dire c'est la carte orange. Moi, j'aurais mis jaune. Le ballon n'est plus. Ah, il aurait quand même mis jaune. Le ballon n'est plus jouable non plus. Hein. Mm-hmm. Talent, deux secondes, le ballon est parti. Bon, non, c'est rouge, logique. À part Marc qui aurait mis jaune. Non, non, rouge. On met des rouges tout le temps ici, donc. Mais par contre, Tourunariga. Si vous on hésite à mettre rouge, alors. Je ne sais pas si on va en parler, mais il n'a pas été exclu. Hein, oui, le VAR a corrigé. Non, parce que c'était la dernière phase. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre. Il a bien travaillé, Alex. Un jour. Bon, on l'applaudit quand même. Merci pour les explications. Merci. Et on le rappelle, voilà les faits, le règlement, les interprétations. Et puis vous avez tout à fait le droit, si vous êtes supporter d'un camp ou de l'autre. Il l'a bien, Pader, il l'a bien. Ouais. Il est chouette. Ah ouais. Pour une fois, il a réussi une caricature. Pader, premier coup. Bisous, Pascal. Je me venge pour vous tous. Hein. Merci. Bon, Bruges, on va en parler quand même quelques instants. Le club de Bruges est bloqué à 16 points. Et on a l'impression qu'il est bloqué à presque 16 points depuis un mois maintenant. Le Standard est revenu à hauteur du club de Bruges en termes de points. Et on l'explique comment, Marc? On l'explique comment? Déjà, ils ont un peu la poisse pour l'instant. J'ai regardé tout le match. Je l'avais déjà dit à la fois passée, ils ont deux, évidemment. Ouais, on peut montrer ça. On va inverser les deux phases, mais on peut montrer les occasions, les barres, le pénalty raté. Pour un problème, c'est qu'ils jouaient une défense totalement ouverte avec De Kuyper qui monte tout le temps, Buchanan. Ils vont chercher très, très haut. Donc, à la moindre contre-attaque, c'est bien parce que tu mets beaucoup de pression. Mais d'abord, ça, ok, Thiago, pas de chance, après il y a 4 minutes. Peut mieux faire. Ouais, le gardien, ouais, il peut mieux faire. Là, il se jette parce que c'est un ballon quand même compliqué. Le terrain était très mouillé. Ici, de nouveau, une frappe, il la pousse sur la latte. Ok, bon, bref, ça ne rentre pas. Donc, pour l'instant, Bruges ne concrétise pas les occasions qu'ils ont. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un Bugac. Ici, on va Olsen qui va taper au-dessus. Mais en termes d'attitude, comme Olsen, c'est quand même parfois bizarre. C'est le meilleur buteur du club de Bruges. Il est plutôt en confiance et on a l'impression que parfois, il n'en a plus rien à cirer. Il n'a rien à foutre. Non, exactement. Au Standard, j'ai eu la même impression. C'était. T'as l'impression qu'il ne s'amuse pas. Ciré, ou qu'il joue. Oui, mais non, moi, je dis avec mes mots, il n'avait vraiment. Il n'était pas concerné de temps en temps. Van Aken depuis des années, les frappe les pénaux. Il n'en a pratiquement jamais raté, je comprends pas. Il n'était pas bien dans le match. Hein, voilà. Il n'était pas. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, vous le souleviez, Benjamin, c'est que ça fait quand même deux saisons, si on met de côté le bon début de Joutla l'année dernière, que Bruges n'arrive pas à trouver un bon numéro 9. Parce qu'Igor Thiago, en vrai, il y a au moins deux ou trois buts qu'il doit mettre dans ce match-là. Et comme dit Marc, s'il ouvre le score sur le début, le match, c'est fini, on n'en parle plus. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on disait sur la défense. C'est-à-dire que c'est une défense où. En effet, si tu on va montrer en paire de balles et notamment si sur le si but. Tu pratiques un football champagne, en effet, comme Bruges peut le faire et que tout se passe dans le meilleur des mondes, c'est magnifique parce que en effet, t'as Buchanan et De Kuyper qui sont bons et qui apportent beaucoup. Mais à la perte, ici, t'as Mekele et Spillers qui sont hyper ouverts à chaque fois et contre n'importe quelle équipe de première division, peu importe si c'est Courtrai, peu importe même si c'est Open, vous allez finir par prendre un but. Il y a zéro couverture et c'est là qu'on se rend compte et on a une pensée pour l'Olympique Lyonnais, mais qu'un joueur comme Mata à droite il faisait du bien par exemple parce qu'il avait des capacités offensives mais que derrière ça savait défendre. Et pour moi
c'est pas de l'arrogance de Ronny Deyla, mais se pointer avec ces quatre défenseurs-là sur ce genre de match, en tout cas, vous pouvez être sûr que derrière, vous allez trouver. Regardez la position de Spiller, qui doit couper, qui doit sprinter véritablement, c'est Onyedika qui fait et l'effort. Et qui manque de vitesse, en plus. Et qui manque de vitesse, donc voilà, il y a la glissade de Vettlesen, mais c'est à 70 mètres du but. Bah, défensivement, les Brugeois sont à la ramasse depuis l'entame du championnat. Les deux latéraux trop offensifs. Évidemment. Les aides de 40 mètres. Si tu regardes, excuse-moi Cécile, si on regarde toutes les grandes équipes européennes, il y a toujours un équilibre. S'il y a un back qui est très offensif, l'autre est toujours défensif. Exact. On prend le PSG par exemple, qui a Hakimi qui joue ailier droit. Il y a toujours Hernandez. Au final, ils ont quasiment un 3 arrière pour compenser au moins l'opposé. Et un 6. Voilà. Et là, pour moi, tu ne peux pas faire ça comme ça avec ces joueurs-là. C'est impossible. Mais surtout que ça ne met pas en confiance. Ça veut dire que vous êtes friable dès que vous perdez la balle. Et ça, c'est quand même un problème. Et les adversaires le savent. Oui, et vous, vous attaquez en sachant qu'à un moment... alors, on dirait pas qu'ils sont freinés, mais au niveau de la confiance, je trouve que c'est pas incroyable. Et vous n'êtes pas posé sur une base solide. À une époque, ça passait inaperçu. Ça va pas non plus. Ces problèmes défensifs, parce que derrière, il y avait un... Ouais. Il y avait un monstre quoi, qui arrêtait tout. Oui, puis ils en mettaient 4. Ils en mettaient 4 aussi. Même si là, avec ses péchés de jeunesse, il avait plus d'impact et de vitesse sur ce genre de là, en fait. Et en plus de ça, pour finir sur la théorie défensive, tu as deux centraux qui vont pas vite. Donc c'est vraiment le pire. Mais tu as un seul 6 aussi. Ouais, voilà. Un seul 6, normalement, au minimum, si tu veux jouer avec les latéraux, c'est un très beau jeu, mais mets le carré à ce moment-là avec 2-6 et le 3-4. Finalement, il y a l'aspect réussite, évidemment, l'inefficacité, mais ça fait quand même beaucoup. Pas d'attaquants pour l'instant, des défenseurs lents, des latéraux trop offensifs, ça fait quand même beaucoup de chantier pour Ronny Deyla, qui n'est pas trop mis sous pression pour l'instant par les médias néerlandophones, d'habitude très agressifs quand Bruges va mal. Et là, c'est le pire départ depuis 40 ans, je pense, 16-30. Ouais. Mais non, je suis d'accord, mais ils veulent faire un football offensif, c'est très bien. Tu sais, sur le folklore, c'est bien, on met tout vers l'avant. Et tu vas te faire attraper derrière. Donc une équipe commence par la base défensive, l'organisation défensive, et là, pour l'instant, ils sont friables. Ça manque de rudesse en milieu de terrain, et ça ne m'étonnerait pas que Balanta fasse son retour dans l'équipe prochainement. On verra ça contre l'Antwerp dimanche. Il y aura le match de Conference League à suivre jeudi, d'ailleurs, avec vous, Philippe. À Zurich, face à Lugano. Voilà, ce sera très important aussi pour le coefficient belge avec le match de l'Union dans la foulée face à Alins, face au Lac, c'est la pub. Et puis après, on a un dossier pour voir où sont les stades en Belgique. Est-ce qu'il y a encore des bons stades en Belgique? Dossier de Vincent. Et puis les Belges du bout du monde et les Insolites de Sarah. À tout de suite, on termine rapidement, mais en beauté. À tout de suite. Eh ben, c'était, me semble-t-il, une bonne petite page. Là, on a eu pas mal de commentaires ici. Merci d'avoir participé, d'avoir été avec nous pendant toute cette longue page sur le Standard de Liège avec une équipe d'Anderlecht dont on a parlé aussi. On a pas mal parlé d'arbitrage. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation d'Alexandre Boucaud. J'ai déjà vu pas mal de commentaires. D'ailleurs, je l'ai signalé à Alexandre Boucaud. Moi, personnellement, je l'ai trouvé très bon dans ses analyses. Et je crois que les supporters d'Anderlecht doivent pouvoir se retrouver dans ce qui s'est dit. Pour lui, il y a quand même de quoi discuter sur le but de N'Goy. On en a reparlé. Hein. Est-ce que ce ballon a été touché du pecto ou du biceps? Ça change tout. Et est-ce que ça dépasse le dessous de l'aisselle ou non? Enfin, on a fait notre petit cours d'anatomie en accéléré avec Alexandre Boucaud, mais il y avait déjà matière à discussion à ce moment-là. Par contre, là où il n'y a pas de matière à discussion, c'est sur la phase de Zinho van Heusden qui aurait dû être sanctionné d'un pénalty en faveur du Sporting d'Anderlecht. Et ça aurait pu tout changer. On est donc bien d'accord là-dessus. Il y a à redire sur l'arbitrage. Maintenant, tout le monde s'acharne sur Jonathan Lardot. Jonathan Lardot, il a reconnu que si lui, il avait vu cette phase-là, il aurait évidemment siffler un pénalty. Le problème, c'est que ça se passe dans le rectangle alors que le ballon est encore au coin du terrain et que l'arbitre doit toujours avoir ses yeux sur le ballon. Il ne sait pas avoir ses yeux partout. Donc, il aurait dû être aidé par son arbitre du VAR qui est Bram Van Driess. Alors voilà, pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit. Je pense que de la part des supporters anderlechtois, tout remettre sur la faute de Jonathan Lardot, c'est une mauvaise idée et pas mal d'entre vous le font aussi avec des arguments qui sont facilement contestables, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est l'un de nos meilleurs arbitres. S'il est désigné pour ce match, c'est parce qu'on croit en lui, on croit en sa probité et sincèrement, je trouve que on a assez discuté de ce qui s'est passé et il y a des choses qui ne sont pas de sa
faute. Jean-Yves me demandait, j'ai demandé si pour la neutralité de l'arbitrage, il ne serait pas plus judicieux de prendre un arbitre VAR étranger dans la limite du faisable, sachant que Van Driess est né entre Gand et Bruges. Mais sincèrement, moi, je ne le savais même pas que Van Driess était né entre Gand et Bruges. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas tellement. Alors, c'est possible qu'il y ait une fixette qui soit faite autour de ça, mais sincèrement, à aucun moment j'ai envie d'associer le lieu de naissance ou le lieu de résidence d'un arbitre au fait qu'il puisse arbitrer l'une ou l'autre équipe. Ça veut dire quoi? Que Van Driess, il va jamais pouvoir arbitrer le club de Bruges ou la Gantoise? Je sais pas, moi j'y crois pas trop à cet argument-là. Sincèrement, j'y crois pas trop. Mais bon, je respecte le fait qu'on puisse imaginer ça. Alors pourquoi pas un arbitre du VAR étranger? Parce que ça, on l'a entendu, et ça, pour le coup, c'était très intéressant de la part d'Alexandre Boucaud, c'était de dire que parfois, il y a une relation qui est spéciale entre l'arbitre qui est dans la camionnette du VAR, parce que j'ai toujours le réflexe de dire ça, qui est dans le local du VAR à Tubize, et l'arbitre qui cible sur le terrain. La relation est spéciale dans le sens où oui, l'arbitre qui est dans le VAR, il aimerait bien siffler à la place de l'autre, et que parfois on peut se demander si tout le monde roule bien pour la même chose. Voilà, on va retourner en plateau pour suivre la fin de l'émission, si tu le veux bien. Merci tout le monde. Mais là, attention, on ne va pas parler du stade d'Arsenal, mais ceux de Belgique. Dossier, Vincent. Salut Vincent. Hello. Est-ce que ça va? Ben, ça a chauffé là avec Lancelot. Hein. Ben oui, ça chauffe partout. Mais j'espère que les explications assez claires d'Alexandre Boucaud peuvent aussi calmer parfois les revendications de certains supporters ou d'autres. Vous êtes là pour parler des stades en Belgique. On aimerait bien avoir un stade aussi moderne que celui d'Arsenal ou celui de Tottenham, ou, enfin bref, un peu partout dans le monde, sauf chez nous. On a l'impression, Vincent, donc il y a une petite enquête qui a été réalisée, et on en est où dans la rénovation, la construction des stades en Belgique? Bah, écoutez, il y a trois cas de figure en fait qui se passent en Belgique. Le premier cas de figure, il n'y a rien de prévu. Ça, c'est la majorité des clubs. C'est Louvain, Saint-Tron, Courtrai, Malines, le RWDM. À Genk et à Eupen, rien de prévu non plus. Vous me direz, à Genk, le stade est quand même pas mal. Mais par contre, dans ces deux derniers clubs, là, on parle d'un nouveau centre d'entraînement et d'un centre de formation pour 2024. Donc, c'est tout proche. Donc là, il y a des choses qui avancent. Des projets. Ouais. Deuxième cas de figure, c'est le frigo. Voilà, il y a des projets, mais on a tout mis au congélateur, en quelque sorte. C'est le cas d'Anderlecht, où le projet existe toujours. C'est né d'ailleurs quand Cook est arrivé au Sporting d'Anderlecht. Il voulait un stade de 30 000 places. Bon, le Covid est passé par là, et la situation financière du Sporting. C'est le cas du Standard. Il y avait le projet sous l'ère Venanzi. Bon, on comprend qu'avec les investisseurs américains, tout ça a été mis là aussi au frigo. Ils ont d'autres chats à fouetter sur le plan financier. Et puis, il y a l'Antwerp. L'Antwerp, où on a tous été à l'Antwerp, on est tous frappés par cette image de la tribune 2 de l'Antwerp. On se dit de quoi elle est classée, qu'est-ce qui se passe? C'est la tribune que tout le monde voit à la télé. Elle est centenaire, rien ne bouge, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accord entre l'Antwerp et la propriétaire des terrains où se trouve la tribune, Tania Minchens. C'est un bras de fer qui concerne vraiment ce club. Il y a un véritable contrat de location qui pourrait être mis en place, mais c'est un bras de fer. Ils ne s'entendent pas, tout simplement, à tel point que cet été, même le président Gaissens a pensé à déménager, alors qu'il vient d'investir. Il a construit trois nouvelles tribunes, qui sont bien, on ne les voit pas à la télé, mais elles sont vraiment bien. Et donc là, il y a effectivement cette tribune qui veut être modernisée, mais qui ne peut pas l'être pour l'instant, faute d'accord. Et on rappelle, c'est le paradoxe, hein, il possède une société de construction, notamment de stade, celui de Gand, entre autres. Oui. Bon, allez, ça bouge quand même dans certains clubs, pas beaucoup, mais quand même. Oui, alors les trois cas les plus concrets, c'est Westerlo, direction turque. Ils veulent absolument jouer l'Europe bientôt. Mm-hmm. Ils ne sont pas encore là. Ouais, c'est du boulot. C'est plutôt mal parti. mais là, il y a des moyens pour un futur stade, agrandir le stade aux normes européennes. Il y a l'Union Saint-Gilloise, bien sûr, qui espère déposer le permis de bâtir sur le site du BEMT à Forêt pour la mi-2024. Ouais. Il y a une étude de mobilité et d'impact sur l'environnement qui est en cours, mais il n'y a toujours pas les accords. Problème de voisinage aussi, exact. Comme souvent aussi en Belgique. Et le troisième cas, qui est sans doute le plus concret, c'est le stade du Pays de
Charleroi, enfin qui ne sera plus le stade du Pays de Charleroi, qui deviendra bientôt la Zebre Arena. On va en voir quelques images de la maquette. C'est le cas le plus concret. Permis de bâtir a été déposé à la région wallonne. Réponse définitive de la région à la mi-janvier, avant la mi-janvier. Ce sera Marchienne au pont. Enquête publique terminée. Prochaine étape, c'est prêt bancaire, investisseur pour boucler le budget, consortium de constructeurs à trouver. Et premier match espéré, nous a dit Pierre-Yves Hendrix, pour la saison 2026-2027 du côté de Charleroi. Ça a de la gueule, en tout cas, comme ça. Ouais. Hein, votre Mambourg l'a remplacé par ça, c'est quand même pas si mal. Nostalgique. Ah ouais, voilà. On n'avance pas avec Philippe. Le petit cœur de Philippe qui saigne. Mais c'est plus le Mambourg, c'est le stade de l'Euro 2000 là, qui a été construit. Pour moi, c'est toujours le Mambourg. Ok. Donc, à jamais. Mais bon, allez, hop, objectivement. Oh, il faut moderniser, franchement. C'est chouette ce que fait Mehdi à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Ouais, attention aussi, parce que l'Union Saint-Gilloise, c'est pour progresser, il faudra, hein, même si c'est sympa, c'est charmant d'aller sur la butte, mais sans modernisation de stade, sans nouveau stade, on n'est pas certain que la direction restera ad vitam aeternam. S'il n'y a pas moyen de progresser, et ça passe par un stade. Sans doute un mot sur le stade Roi Baudouin, quand même. Un mot et quelques sièges, c'est juste ce qui a été changé. Il y a eu rénovation, hein, ça a coûté quand même 6 millions d'euros, la nouvelle piste d'athlétisme. Les sièges ont été rénovés, la tribune de presse, mais non, le stade Baudouin, je pense qu'il faut tirer un trait sur un projet de nouveau stade à Bruxelles. On a vu, c'était un peu cataclysmique le projet initial à l'époque, et donc il n'y a pas grand-chose qui avance et qui n'avancera à l'avenir. C'est vraiment pas un stade confortable, c'est pas un stade de foot, et voilà, dans l'évacuation lundi passé, heureusement qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule, hein, que ça s'est passé calmement, parce qu'on n'est pas convaincu que ce soit non plus très fluide au niveau de l'évacuation, si ça doit se passer rapidement. Il y a eu un sondage d'ailleurs auprès des supporters, ça c'est intéressant de voir ce qu'ils pensent. Oui, ce sont nos collègues du Nice Blatt qui ont publié ça la semaine dernière auprès de 800 fans sur leur sentiment par rapport au stade. Ça, c'est les supporters et leur stade les plus heureux, Saint-Tron, Louvain, Malines, à plus de 90% Gand, Genk ou Westerlo. Ils sentent bien dans leur petit cuip. Les plus mécontents, les deux clubs de Bruges et celui de l'Union Saint-Gilloise. Donc il y a quand même 32% des sondés, des supporters de l'Union qui ont dit « Ouais, notre stade, c'est quand même pas top ». C'est vrai que l'ambiance, elle est géniale. Personne ne nous contredira ici autour de la table, mais les toilettes, la toiture, tout ça, il n'y a pas. On connaît la problématique de l'Union Saint-Gilloise. Et on a posé aux fans aussi quelques questions. Quels éléments portez-vous le plus d'intérêt au stade, 74%, c'est la vue sur le terrain et le confort du siège. Ça, c'est ce qui ressort en premier lieu. La présence des toilettes aussi arrive, ou le confort des toilettes, quand il y en a, arrive en deuxième lieu. Ce qui doit être le plus amélioré, c'est l'accessibilité et le prix des billets. Le facteur qui apporte le plus d'ambiance, à 93%, les gens répondent les chants. Les chansons, en quelque sorte, si on peut parler de chansons, avant les prestations de l'équipe ou les tifos. Et vous avez vu le tableau des plus heureux, donc ils sont à trouver plutôt du côté des plus petits clubs, en fait. Voilà votre avis sur les stades en Belgique, Marc. Pourquoi ça bouge pas, ou peu? Peut-être manque de moyens, déjà. Parce qu'il faut que tout se mette bien ensemble, puis aussi les permis de bâtir, la politique qui s'en mêle. Vous avez fait un peu de politique, c'est pour personne, c'est compliqué. On a très peu d'aide, le sport au niveau politique, c'était très très peu d'aide en tout cas de l'État pour ça, pour faire avancer les choses. Donc les clubs doivent les faire eux-mêmes, trouver les solutions eux-mêmes. Et puis en plus, quand tu as des gens qui ne s'entendent pas, comme à Antwerp ou comme pour faire un stade national, on est confronté à des arrêts partout, avec des croche-pieds partout, et ça devient difficile pour faire avancer le dossier. Rapidement, votre stade préféré, petit tour de table, en Belgique, Cécile? Genk. Swan. Pour la globalité de l'expérience? Ouais. Pour travailler, Genk. Gand. Oui, moi aussi, Gand, au niveau de tout. Parce que... Vincent. Moi, je suis en commerce. Je peux rien dire. Non, c'est vrai que les stades les plus récents, pour le confort de notre travail. Bah oui. C'est QFD. Finalement, merci Vincent pour ce chouette petit dossier, même si, évidemment, il y a des choses à redire. Vous êtes là aussi pour une petite bagarre sympa, on l'espère, en tout cas. Bobby Charlton nous a quitté, une légende du foot anglais, vous le savez, on va voir quelques images de celui qui a été Ballon d'Or en 66, l'année où l'Angleterre gagne sa seule et unique Coupe du Monde. Bobby Charlton, un milieu offensif, très offensif, passeur, marqueur, intelligent, élégant, et il est décédé à 86 ans. Ballon d'Or en 66, deuxième en 67, deuxième en 68, il remporte trois fois le championnat d'Angleterre avec Manchester United, donc il est
une légende absolue. D'ailleurs, Manchester United remportera la C1, la Coupe des clubs champions en 68. C'est la première d'ailleurs remportée par un club anglais. Il a aussi, je lisais ça, popularisé le ballon piqué, cher à Philippe Albert, contre Manchester United, vous, Philippe. Mais c'est lui qui l'a vraiment mis à sa mode, à la mode, et qui l'a popularisé. Et il y a une tribune qui porte son nom. Anobli. Hein. Théâtre des rêves de Manchester United. Philippe. Véritable légende du football anglais, football international, et survivant du crash de Munich. Voilà un beau dessin de Pader pour tout grand monsieur. Saluer la mémoire de Bobby Charlton, Robert Charlton de son prénom. D'ailleurs, vous savez, si vous suivez le documentaire Beckham, le deuxième prénom de David Beckham, c'est David Robert Beckham, parce que le papa de David était un fan absolu de Bobby Charlton. Voilà la petite histoire dans cette grande histoire, ce qui nous vaut une petite bagarre d'hommage entre Vincent et Philippe. D'ailleurs, quel est le plus grand footballeur anglais de l'histoire, à part Bobby Charlton? C'est Philippe qui démarre. Oui, Keke en anglais, c'est King Kev ou Kevin Keegan. Débuté sa carrière à 17 ans du côté de Scunthorpe, en 4e division anglaise, excusez du peu, avant de débarquer du côté de Liverpool, où pendant 6 ans, il va gagner tous les trophées, dont ce but sur coup franc au club de Bruges, match retour, un but partout après avoir gagné 3-2 l'aller. Deux coupes de l'UFA, une coupe des clubs champions en 1977, voilà, coup franc indirect. C'était la classe à ce niveau-là en Angleterre et du côté de Liverpool. La Coupe des clubs champions où il a mis dans sa poche un certain Verti Vaux. C'était pas évident à l'époque, demander à Cruyff. Et grand artisan de cette victoire à l'Olympico de Rome. 3-1 face au Borussia Mönchengladbach. Ensuite, un transfert du côté de Hambourg avec le titre de champion d'Allemagne en 79 et deux ballons d'or. Seul anglais à avoir gagné deux ballons d'or en 78 et en 79. Kevin Keegan, je ne vous parle même pas de l'entraîneur qu'il était. En tant que joueur, j'étais déjà fan. J'ai eu l'occasion et le grand plaisir de travailler avec lui quand il était entraîneur. Pour moi, après, M. Charlton, c'est le plus grand joueur anglais de tous les temps. La déclaration d'amour de Philippe Keke. À Keke, Kevin Keegan. Bon, il y a un Keke en athlétisme, oui. Keke Labraise, c'est Kevin Mayer, le décathlonien. C'est pas la même chose. Il essaye de faire diversion. Ouais. Hein, il sait qu'il faut mettre un petit peu de temps entre les deux démonstrations. Vincent, allez, réaction. Et elle est belle aussi, je vous l'annonce. Bah, si je vous dis 1990, que je laisse un long silence de 12 secondes et que je dis c'est injuste, vous me dites Platt. David Platt, non. Non, j'ai pas choisi David Platt. Non. Sinon, vous sortiez directement. C'était le seum avant l'heure, évidemment. C'était ce match-là, Remember Veron. Non. Mon British de cœur, il est né à Leicester en 1960. C'est là, en 78 d'ailleurs, qu'il a débuté sa carrière pro, alors qu'il était promis un bel avenir au cricket, figurez-vous. Il va y rester 7 saisons. Il va finir sa carrière en 94 à Nagoya, au Japon, de qui je parle, d'un certain Gary Winston Lineker, bien sûr. 3 fois meilleur buteur de Première Ligue, mais jamais champion avec son équipe. Une FA Cup quand même avec Tottenham, une Coupe du Roi, une Coupe d'Europe avec Barcelone, malgré tout. Mais Lineker, pour moi, c'est avant tout l'équipe d'Angleterre, évidemment, du milieu des années 80. 48 buts en 80 sélections. Entre 84 et 92, deux Coupes du Monde, dont celle-ci en 86 à Mexico, quart de finale contre l'Argentine, va marquer 6 buts dans ce mondial. Ça va lui donner un joli transfert, donc vers le Barça. Et puis en 90, ils vont atteindre les demi-finales, les Anglais, grâce aussi à Lineker, avec 4 buts. Donc ça veut dire un total de 10 buts en Coupe du Monde pour l'Anglais, meilleur buteur anglais de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça vaut bien les ballons d'or, dites-moi. Lineker, c'est aussi pour les plus jeunes aujourd'hui un homme de médias, le présentateur le plus connu que Benjamin Dessenu. Mais non. Mais oui, ça existe. Vous, c'est la Pro League, lui, c'est la Première Ligue, désolé, avec Match of the Day, la BBC. Près de 9 millions de followers, mon cher Benjamin. Mais c'est un mec aussi à qui on doit une phrase, la phrase sans doute la plus connue de l'histoire du foot. Je cite, le football, c'est un jeu simple où 22 personnes courent derrière un ballon. Et à la fin. Et pendant 90 minutes, et à la fin, c'est qui gagne? L'Allemagne. C'est toujours l'Allemagne qui gagne. C'est de Gary Lineker qui n'a jamais pris le moindre carton dans sa carrière. Et ça valait bien un peu de temps additionnel pour le dire. Pas de carton pour Gary Lineker dans sa carrière. Ça a existé. Il faut voter le noir pour Kevin Keegan. Je parle du public. Carton noir pour Kevin Keegan, carton blanc.
hein, pour Lineker, évidemment. Pas de carton pour le brandit et nous, on comptabilise en vitesse. Kevin qui gagne, je pense, remporte le... Kevin qui gagne. Premier point, Kevin qui ne perd pas, en tout cas. Marc. Qui gagne. Swan. Gagne. C'était un beau match. Vincent, c'est très bien débrouillé. Ben oui, mais on voulait aussi souligner. C'est pas facile, hein. Les autres ballons d'or anglais, Stanley Matthews, le premier ballon d'or anglais, et Michael Owen aussi remporté le ballon d'or pour l'Angleterre. Merci Vincent, merci Philippe pour cette bagarre. Puis on termine avec l'œil de Sarah, les Belges du bout du monde et tout ce qui s'ensuit. Ça va, Sarah ? Oui, ça va. On a un petit peu prolongé avec le Classico. Hein, c'est une tradition aussi qui doit se perpétrer sur ce plateau. Mais les Belges du bout du monde sont arrivés. Ben oui, on ne va pas perdre nos bonnes habitudes. Et on va commencer par aller chez nos voisins luxembourgeois, au Racing Union, pour découvrir le premier but chez les pros de Loan De Walk, ancien joueur de Virton. Et puis, on va aller en Italie. Alors, on avait déjà donné des nouvelles de Yari Van de Put il y a quelques semaines. Eh bien, on vous en redonne aujourd'hui. Parce que... c'est la Dolce Vita pour lui dans son club de Catanzaro. Regardez, il s'est à nouveau illustré avec ce joli but ce week-end. Victoire de son équipe 3-0. Et voilà, on va en terminer ici. On va vous remercier surtout d'avoir été avec nous. Je crois qu'au niveau du nombre de commentaires, on a explosé sans aucun doute. Confirmation de Christian qui est en régie. C'est certain, il me montre même le ciel qui était la limite ce soir, mes chers amis. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vois qu'il y en a encore certains ici qui se sont prêtés au jeu de la bagarre en nous disant que oui, Kevin Keegan et Gary Lineker, ils étaient trop jeunes pour les avoir vus jouer. Vous savez quoi ? Moi aussi, mais c'est pour ça que j'ai bien aimé la justification et l'explication. La démonstration même de Philippe Albert qui a remporté cette bagarre. Philippe Albert qui est pratiquement invincible en bagarre, j'ai l'impression. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une bonne semaine. Calmons tous nos ardeurs par rapport à ce qui s'est passé. Et vous savez quoi, on est déjà de retour jeudi avec l'Europa League, avec notamment l'Union qui reçoit le LASK et puis un déplacement à Lugano pour le club de Bruges, me semble-t-il. Oui, voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. C'était un plaisir d'être avec vous et vous avez été nombreux. C'était cool et tout ça s'est passé dans le respect. Passez une bonne semaine. Ciao.